C'est qui ça jette. Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle édition de ben voilà, hein, Jonathan Blais, maître en travail social, capable de lancer les shurikens de la vérité comme il le faut. Très content de te recevoir à nouveau sur l'émission. Il y a même une belle bannière qui nous a été faite par notre bon Rémi Perron pour l'aventure ici. Hey, on se souviendra, hein, ta dernière présence, on a parlé de Reiki. Ouais. Et maintenant, on est plus équipé pour ne pas savoir absolument c'est quoi. Et là, ici, c'est vraiment comme un buffet de patentes. Ben, c'est pour ça que c'était comme naturel pour moi. J'avais plusieurs autres sujets en tête, mais les access bars, des fois, je disais, à un moment donné, je vais faire un dossier là-dessus. À un moment donné, je vais faire un dossier là-dessus. J'en ai parlé quand j'ai fait le Reiki. Puis là, je me suis dit, maintenant qu'on n'a pas compris c'est quoi le Reiki, on est bien placé pour pas comprendre l'access bar. On va vraiment continuer sur notre lancée dans la sauce conspirite de bonne façon. Ah, j'adore ça. Fait qu'on fait comme d'habitude, tu m'as envoyé des clips, on les passe dans l'ordre que tu veux. Puis là, en fait, c'est ça, là, présentement, ce qu'on voit, ça vous donne une introduction. Dès le premier clip, on va... En fait, je veux pas que vous essayez de comprendre l'approche, là. Fait que pour commencer, on va arriver avec un premier clip qui va utiliser pas mal les mots qu'on voit là. OK. Je pense que peut-être juste les mots en anglais, là. Juste et faux, raison et tort, bon et mauvais, boy, pavate, payante, bim, bim, mal, point de construction, point de destruction, right and wrong, good, bad, pickpot. Fait que c'est comme un peu mystérieux tout ça, mais c'est bien important ça, ces mots-là. Ça veut dire quelque chacun chose. Chacun est une expérience similaire, mais aussi complémentaire aux autres. C'est ça. Puis en même temps, ça veut pas dire grand-chose. Puis il faut pas essayer trop de comprendre, sinon la magie, il n'y en aura pas. OK. C'est mon genre d'essayer trop de comprendre. Fait que je suis sûr que je vais trouver de la magie pareil. Oui. C'est de la magie bien compliquée. C'est Cosmo Gesteur qui a eu l'idée d'ajouter ça au titre. Je me dis, c'est ça. C'est de la magie bien compliquée. Donc, le premier clip, on va vivre une expérience ensemble. On va vivre une séance d'access bar. On va peut-être savoir c'est quoi après ça. Dans cet audio, les questions posées vont te permettre de dissoudre toutes les limitations que tu as créées par rapport au sujet des entités, ce qui va t'ouvrir la porte à encore plus de possibilités entités. Certains des zéros à 100 te permettre de t'alléger quand tu es en présence d'entités. Dans cet audio, je vais te poser des questions suivies de la phrase de déblayage d'Access Consciousness. Juste d'entendre, d'écouter ces questions posées, ça va permettre d'activer, de faire remonter des énergies en toi consciemment ou inconsciemment. Écouter cet audio régulièrement, même en boucle s'il le faut, ça va permettre de te libérer de couches de limitations énergétiques petit à petit, un jour à la fois. Juste de poser des questions, ça active l'énergie. Pas besoin de réfléchir avec le mental ou d'essayer de comprendre. C'est avec juste quoi tu de poser la sinon... question et l'énergie est activée. Avec ton cœur. Et lorsque tu avec fais suivre une question par la phrase de déblayage, l'énergie limitante qui est activée et qui remonte va totalement disparaître pour retourner à la source. Cette phrase de déblayage, right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Même si elle paraît illogique et même bizarre, elle permet de détourner le mental et surtout elle sert à dissiper tous tes points de référence, tes points de vue, tes conclusions, tes perceptions limitantes. Elle sert à dissoudre toutes les limitations que tu as créées par rapport à un sujet en particulier et qui ferment la porte aux possibilités dans ta vie. Avec cette phrase de déblayage, tu vas te libérer des énergies limitantes solidifiées et cristallisées inconsciemment dans tes sphères énergétiques et ça va te permettre de t'ouvrir à un champ de nouvelles possibilités dans ta réalité. Tu vas t'ouvrir à de nouvelles prises de conscience, tu vas t'ouvrir à de nouvelles possibilités que tu ne pouvais pas voir auparavant parce qu'avant, tu fonctionnais à partir de limitations énergétiques inconscientes. Si tu veux plus de détails sur cette phrase de déblayage,
tu as simplement à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo qui va t'amener à une explication complète qui dure 41 minutes et qui te donne tous les détails pour tout comprendre. Donc, ça on va commencer. Je t'invite simplement à écouter ces questions suivies de la phrase de déblayage pour laisser remonter les énergies limitantes, puis les laisser se dissoudre tout simplement. Fait que là, tu dis une phrase, puis les entités réagissent. Pas besoin de réfléchir, pas besoin de comprendre. C'est ça, une phrase magique. Simplement écouter et laisser la magie s'opérer de plus en plus chaque jour, chaque fois que tu réécouteras cette audio. C'est comme Disneyland parce qu'on s'émerveille ou... Alors écoute ça. Les entités. They're eating the cats. Dans cet audio, les questions posées vont te permettre de dissoudre toutes les limitations que tu as créées par rapport au sujet des entités. Ce qui va t'ouvrir la porte à encore plus de possibilités avec les entités. Certains déblayages vont aussi te permettre de t'alléger quand tu es en présence d'entités. C'est de la merde! Vraiment, Pierre. Quelle capacité ai-je avec les entités que je n'ai pas reconnues? Et tout ce qui permet pas ceci, je suis prête à le détruire et décréer. Right, one good, bad, pop, pod, online, shorts, boys and beyonds. De quelle manière contribuer à cette dimension et à moi-même? Et tout ce qui permet pas ceci, je suis prêt à le détruire et décréer. Right, one good, bad, pop, pod, online, shorts, boys and beyonds. Que sais-je de la communication avec les entités? Et tout ce qui permet pas ceci, je suis prêt à le détruire et décréer. Right, one good, bad, pop, pod, online, shorts, boys and beyonds. Et s'il y avait tellement d'êtres et d'énergie autour de moi, dans ma vie et dans ma maison qui étaient prêtes à contribuer, est-ce que je serais prêt à les recevoir? Et tout ce qui permet pas ceci, je suis prêt à détruire et décréer. Right, one good, bad, pop, pop, online, shorts, boys and beyonds. Exactement. Et si j'étais prêt à être hors contrôle, hors définition, hors linéarité, et à permettre à toutes les entités et à tous les êtres qui désirent contribuer pour moi, de contribuer pour moi dans tous les domaines de ma vie, avec mes corps, mes relations, l'argent, ma business, avec absolument tout. Tout. Et tout ce qui ne permet pas ceci, je suis prêt à le détruire et décréer. Right, one good, bad, pop, pod, online, shorts, boys and beyonds. Quelle énergie, espace, conscience et choix puis-je être pour alléger toutes ces énergies présentes sur la Terre? Et tout ce qui ne permet pas ceci, je suis prêt à le détruire et décréer. Right, one good, bad, pop, pod, online, shorts, boys and beyonds. Night good. Entité. De put podong. En quoi pouvez-vous me contribuer? C'est pas facile à retenir. Moi, et tout ce qui pas permet capable. Pas ceci, je suis prêt à le détruire et décréer. Right, one good, bad, pop, podong, online, shorts, boys and beyonds. Combien d'entités, combien d'énergie manipulent ma situation financière? Je sais pas. Et tout ce que ça fait remonter, je suis prêt à le détruire et décréer. Je comprends que ça lui tente de s'en aller. Ça doit marcher, je suis sûr que les entités, ça quelle magie de ces entités, fantômes, êtres de lumière, êtres de la nature, prêtes à contribuer pour moi et ma vie, puis-je recevoir qui créera plus d'aisance, de joie et encore plus de magie pour moi et mon corps? Et tout ce qui ne permet pas ceci, je suis prêt à le détruire et décréer. Right, one good, bad, pop, pod, online, shorts, boys and beyonds. Qu'est-ce que ce serait si même avec les entités, il était possible de choisir la fréquence, joie, fun et aventure? Et tout ce qui ne permet pas ceci, je suis prêt à détruire et décréer. Right, one good, bad, pop, pod, online, shorts, boys and beyonds. Aïe. Puis pourquoi faut tout le temps détruire et décréer avant de faire ton qu'est-ce affaire que tu cool? veux me donner? Ça fait comme une forme de reset. De création. Est-ce léger? On fait un reset puis on recrée par-dessus. Et tout ce qui est lourd, je suis prêt à le détruire et décréer. Right, one good, bad, pop, pod, online, shorts, boys and beyonds. Ouais. Est-ce que tu veux être une contribution dans ma vie? Et tout ce qui ne permet pas ceci, right, one good, bad, pop, pod, online, shorts, boys and beyonds. Est-ce que tu veux que je reconnaisse que tu es là? Et tout ce qui ne permet pas ceci, right, one good, bad, pop, pod, online, shorts, boys and beyonds. Partout où j'ai perçu, ressenti des entités et que ça me faisait mal, je suis prêt à le détruire et décréer. Right, one good, bad, pop, pod, online, shorts, boys and beyonds. Fait que c'est genre, ok, entité, ça c'est votre spot partout là, mais vous arrêtez ça de me faire chier. Ouais. Reset de relation avec les entités. Que tu prennes un peu plus d'espace,
et tout ce qui permet pas c'est très mal défini, c'est quoi les entités à date? Right, wrong, good, bad, pock, pod, on, nine, ça peut être tout ce qu'on veut, je pense. Partout, la perception des entités m'ont fait peur. Je suis prêt à tout détruire et décréer. Right, wrong, good, bad, pock, pod, on, nine, shows, and beyonds. Partout où les entités voulaient me contribuer et que j'ai refusé ce cadeau. Ah, c'est l'espèce de pensée positive, là. Faut que tu répètes tout le temps la même affaire, mais en faisant sûr que l'univers infini va pas te prendre pour un cave à faire apparaître des roses rouges demain après-midi. N'ont pas respecté un horaire adéquat pour moi, pour pouvoir communiquer avec moi. Je suis prêt à le détruire. J'essaye avec des stationnements toutes les fois, ça marche pas fort comme. Mais des fois, ça marche. Fait que ça marche. La digestion partout où j'ai voulu sauver toutes ces entités. Bon, ça va. Je suis prêt à le détruire et décréer. Right, one good, bad, pock, pod, on, nine, shorts, boys and beyonds. Quelle énergie, espace, conscience et choix puis-je être pour attirer à moi des entités bienfaisantes qui contribuent de plus en plus à ma vie? Et tout ce qui permet pas ceci, je suis prêt à le détruire et décréer. Avec mon kung fu. Right, one good, bad, pock, pod, on, nine, shorts, boys and beyonds. Partout où ma fréquence vibratoire éloigne les entités sombres et néfastes pour moi, et tout ce qui permet pas ceci, je suis prêt à le détruire et décréer. Right, one good, bad, pock, pod, on, nine, shorts, boys and beyonds. Partout où ma simple présence a permis à toutes ces entités qui voulaient se libérer de se libérer. Et tout ce qui ne permet pas ceci. De laisser la quantité de type appropriée dans le service. De ramener son VHS rembobiné. Quelle énergie, espace, conscience puis-je être pour alléger et libérer toutes ces énergies présentes sur la Terre? Et tout ce qui permet pas ceci, je suis prêt à le détruire et décréer. Right, one good, bad, pock, pod, on, nine, shorts, boys and beyonds. Qu'est-ce que ce serait si chaque fois que je sortais, je recevais le vent et les êtres de la nature? Genre, ça serait moi qui paye pour recevoir ça. Et je laissais toute la lourdeur cristallisée en moi et mon corps s'envoler et disparaître. Et tout ce qui permet pas ceci, je suis prêt à le détruire et décréer. Right, one good, bad, pock, pod, on, nine, shorts, boys and beyonds. Combien de serments, vœux, allégeances, serments de sang, promesses, engagements et contrats au travers tous les temps, espaces, dimensions et réalités ai-je avec les entités j'ai jamais essayé. Qui m'amènent à penser, ressentir, avoir, faire, être et créer tout They're comme ces entités et reproduire leur état d'être et leur histoire. Les entités mangent les chats. Et tout ce que ça fait remonter, je suis prêt à le détruire et décréer. Right, one good, bad, pock, pod, on, nine, shorts, boys and beyonds. Tout ce que j'ai appris d'entités ou d'autres énergies visibles ou invisibles et qui n'est pas moi, je suis prêt à tout relâcher et renvoyer à l'expéditeur. Right, one good, bad, pock, pod, on, nine, shorts, boys and beyonds. Combien d'empreintes énergétiques et magnétiques d'entités ai-je sur tous mes corps? Et tout ce que ça fait remonter, je suis prêt à le détruire et décréer. Right, one good, bad, pock, pod, on, nine, shorts, boys and beyonds. La capacité d'aller réveiller tous les mémoires. Votre vie directement à ce moment là, si vous aviez un seul désincarné sur la planète. Merci, Fait que ça, c'est le access bar. En fait, elle a fait bien des affaires, dont l'access bar. On va passer. Oui, c'est ça. On fait que ça. C'était comme une introduction comme pour vous expliquer un peu que ce qu'on voit comme mot-là, c'est une formule de déblayage magique. Puis, ça serait trop difficile à expliquer. Plus tard, on va y revenir. Mais les access bars, c'est bien des affaires bien compliquées. Mais c'est pas juste ça, parce que c'est d'abord des points base. C'est vraiment un peu un concept qu'on aurait... C'est différent du Reiki. C'est comme s'il y aurait des points qu'on aurait sur la tête,
toutes sortes de points. Fait que là, on va aller plus dans le cœur de l'access bar. Là. On a commencé par quelque chose d'un petit peu plus spécialisé. Là. Mais là, on va aller plus dans, avec la prochaine vidéo, une explication comme résumé, en gros, c'est quoi les access bars. Puis peut-être que ça va être plus éclairant que cette première vidéo. Cette première expérience. Là, on a fait le manège, puis après ça, on va peut-être apprendre c'était quoi le manège. On va apprendre c'est quoi le manège. C'est passé de 0 à 100 en tabarnak au début. Là. Ouais. Il y a les entités, Colis. Les entités. Là. On est prêt. La, avec des doigts, avec des doigts, avec des doigts. Ben ma gang de vous autres au pluriel. Oh! Notre chum, le grand Cornorio, qui nous amène en convoi, mesdames et messieurs. Oh! Il suffit de toucher deux par deux une légère pression des 32 points pour créer par une activation de mettre des barres. Ouais, c'est un toucher magnétique. Un toucher magnétique. Ouais, ça... correspond à des schémas tels que la santé, la joie, la créativité, l'argent, la turve, le pouvoir, le contrôle, la communication, la création, la gentillesse, la guérison, la sexualité, les rengaines. Sûrement, il y a un... Fais attention de ne pas te poter les rengaines. Il faut que j'aille partir le convoi. Pendant la séance, les ondes cérébrales ralentissent, permettant de supprimer les considérations, pensées, les schémas, peurs, souffrances, échecs, vieilles histoires familiales, ancestrales, inconscient, collectif, traumatisme non résolu. Oui, tout le monde qui médite, ça y arrive. Et ça, en fait, le bonheur et la joie étaient notre état naturel. Le bonheur et la joie étaient notre état naturel. C'est... Et si le seul devoir que nous ayons vraiment était juste de nous réaligner avec notre état originel? Ouais. Chaque séance de bord peut libérer des limitations dans le domaine de votre vie qui correspond à la barre spécifique qui est touchée. La barre, OK, c'est ça, les enfants? C'est des barres. Hein? Ça, c'est les barres, on a ça dans la tête. Au pire, vous aurez un merveilleux moment de détente. Au mieux, votre vie entière peut changer pour le meilleur avec beaucoup de facilité. Wow, ça, c'est solide, c'est vendeur. Tu gardes le train en vie, mon cher Freddy, merci beaucoup. Oui, merci, hein, continuez comme ça. Living the dream. Les barres sont un des processus corporels d'Access Consciousness enregistrés. Les processus corporels énergétiques se font par apposition des mains à certains endroits spécifiques du corps. Il existe plus de 50 processus corporels. Voici quelques exemples. Système de mu terminal de la valence moléculaire. L'outil d'apposition des mains le plus dynamique d'accès pour... Mimétisme biomimétique pour débloquer tout ce qu'on verrouille dans le corps pour essayer de dupliquer et de comprendre les autres. Faut aller vite. Mémoire cellulaire permet le déverrouillage des cellules bloquées. Nous effaçons la mémoire du trauma que la cellule n'a pas lâché. Ça a l'air toxique, ça. Ouais, j'en ai parlé de ça. Restauration de communion avec la Terre. Avec la Terre. C'est fascinant. C'est pour ça que t'as la face dans l'oreiller. Là. Mais ouais, elle est pas à terre, là. Lifting facial énergétique. On va aussi en parler du lifting facial énergétique. Un incroyable processus qui inverse les apparences du vieillissement sur le visage et qui crée des effets extraordinaires. Ben, des massages, des fois, ça a des effets, là, mais... Les affaires magnétiques. Avec les fondateurs un petit peu louches qu'on va parler un petit peu. Ah, mais ils sont tout à sur des couches qui valent le prix de mon loyer. C'est payant d'être un gourou. Ben, hey. Neil Breen aussi, d'ailleurs. Il y a des stages. N'hésitez pas à prendre contact par téléphone, SMN ou MLM, à poser vos questions. Il est normal de s'informer au mieux avant de déterminer votre choix. Je pensais, là... que le show, c'était plein. Tu nous parlais de plein d'affaires différentes tellement il y avait comme de mots sur l'affiche.
Ah ouais, mais ouais, c'est juste Access Bar. Tout est Access Bar. OK. Fait que on va découvrir beaucoup de choses. Là. Ça, c'est comme c'est assez dense. Là, à date, ça existe pas, ça. Fait que là... Ça existe pas. C'est tout un système. Puis c'est sûr qu'on va parler des fondateurs, parce que l'histoire des fondateurs est vraiment intéressante. Oh que oui. Puis le fondateur et tout ça, est un peu pété. C'est vraiment intéressant c'est de voir comment il a parti cette patente-là. OK. Moi, comme histoire, comment j'ai connu les bars, c'est dans mon année Conspirit où, écoute, je passe mon temps à venir faire des shows, puis je vous présente des choses que j'ai faites. Hein. Pour les gens qui ont manqué certains shows, ben j'ai déjà fait l'hypnose dans l'hiver antérieur, j'ai déjà fait du Reiki, entre autres. Du chamanisme. Des bars, j'avais fait la formation à 300$. Ça n'a jamais trop servi, cette affaire-là, finalement. Puis là, ici, on voit tous les points. Là. C'est l'idée qu'il y aurait 32 points un peu partout dans la tête. Puis ça peut faire penser un peu à la réflexologie faciale. Là. OK. Puis entre autres, il y a un point très important qui est le toaster du vieillissement. Il ne faut pas rire de ça, là, je dirais, c'est le toaster du vieillissement. Là, et il faut le travailler si on ne veut pas devenir tout ridé. Fait que là, on a comme plein de... C'est un peu comme... Moi, je sais pas si je vais être capable de l'expliquer, mais c'est un truc magnétique. Puis c'est des points qu'on touche, puis on défait des mémoires. En tout cas, c'est quelque chose qui ressemble à ça. Fait qu'on a toutes sortes de points, comme la couronne du mystère, le tunnel de l'espace et du temps, la tristesse, la joie. Il y a le tunnel de l'espace et du temps juste à côté de mon sourcil gauche ici. Eh oui, tu savais pas qu'il y avait ça. Hein? Il y a ça drette là. Eh oui, puis là, on n'a jamais exploité ça, on n'a jamais touché à ça. À part pour te gratter, puis tu savais pas, mais tu touchais ton tunnel de l'espace et du temps. Je grattais mon tunnel de l'espace et du temps. Fait que là, moi, là, ici, présentement, là, je gratte mon tunnel de l'espace et du temps de gauche, je pense, ou peut-être pas. Fait que il y a comme toutes sortes d'affaires. Il y a une bulle de l'argent. C'est quoi ça? C'est comme pour avoir plus d'argent, il faut travailler ce point-là. C'est littéralement l'argent en tant que tel, le cash. Là. Fait que c'est comme on voit vraiment sexualité, on voit temps et espace, forme et structure, gentillesse, gratitude, paix et calme, ils l'ont tout mis ensemble. Guérison, espoir. Le toaster du vieillissement, c'est quand même solide. Ça il est pas mal travaillé dans tout ce qui touche le lifting facial énergétique. Parce que je pense durant le show, tu avais déjà montré. Là, les attends gens un peu, là, c'est pas une joke. Là. Non, c'est sérieux. Là. Il y a du monde payer, tu vas payer pour ça. Puis, On va gérer ton toaster cervical. Puis après ça, on va passer par la passerelle pour aller dans la couronne de Mister. Et ensuite. Tunnel de l'espace-temps jusqu'à l'argent. Puis, ça va faire que tu vas être moins ridé. Puis, si t'es pas moins ridé, puis ça paraît pas, mais c'est parce que c'est spirituellement que ça s'est passé. Aïe, 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 jamais. T'es sûr que ça va marcher. J'ai que ça, la belle nouvelle 5 que ça y a l'une a fait. C'est le Kanjo, on est en Kanjo ou on va au prochain, je ne sais pas. Ouais, mais fait que finalement, tout ça pour dire que c'est assez compliqué à apprendre les mouvements et tout ça. C'est quand même pas si facile de toucher exactement au bon endroit. Mon ex, elle la trouvait vraiment, je ne touchais jamais au bon endroit. Fait que ça la mettait en maudit parce que. C'est pas l'argent. Ben là, Colin, au lieu de toucher l'argent, je touchais le contrôle ou au lieu de. Du toaster de vieillissement, j'étais en train de toucher la couronne du mystère. Là, le toaster du vieillissement! Fait que là. Mais là, tu me jures, c'est pour vrai, là! C'est les vrais points, c'est les vrais mots, les vrais, là, c'est sérieux. Okay. Fait que ça, ces mots-là sont sérieux. C'est très, très sérieux. Tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est sérieux, là. C'est une vraie approche. Puis justement. Je sais pas si ça vous fait penser à quelque chose, ces points-là, dans la tête. Ça fait penser à quoi qui a déjà été... Un casse de bicycle? Non, je veux dire comme type d'approche, tu sais, au niveau des points dans le cerveau qui aurait des... Réflexologie, genre? Ouais, réflexologie faciale, puis aussi phrénologie également. Ah, tu sais, la phrénologie, là, au 19e siècle, il y avait La forme des visages, les gros nez étaient moins intelligents. Ouais, puis qu'il y avait des ondes du cerveau, que si tu travaillais, tu pouvais comme faire plus d'argent, de choses-là. Ouais. Ben justement, là, c'est là qu'on va comme essayer de différencier certaines affaires. Fait que on y va avec la prochaine vidéo. Merci, les amis. On va essayer d'éclaircir tout ça. En fait, j'avais il y avait ça avant. Aussi. Ah oui. OK. Pourquoi je parle d'Access Bar aujourd'hui? Puis il y en a qui vont dire, ben là, c'est pas si intéressant. C'est pas... Pourquoi parler de ça, là? C'est juste une affaire flyée.
Mais ça, là, cette annonce-là, j'ai pas mis le nom de la clinique privée. Je suis même déjà allé à cette clinique privée-là quand j'étais mal pris. Là. Ils ont des bons services. Ça, c'est une clinique privée connue, là, que je nommerai pas le nom, mais qui sont à plusieurs endroits, là, ça arrive dans... Puis ils offrent des vrais services avec des médecins, oui, des infirmières praticiennes spécialisées et tout ça. Mais ils offrent également, puis ça, c'est l'équipe de santé mentale. C'était sur le site de l'équipe de santé mentale, clinique de santé familiale. C'est une annonce où ils vantaient ça. Fait que là, ils disaient, une clinique que je suis déjà allé, là. J'avais vu même l'annonce. Oh, shit, hein, wow. Vous cherchez un professionnel de la méthode d'Access Bank? Des problèmes avec vos entités? Il s'agit d'une technique énergétique non invasive mise au point par Gary Douglas. Cette technique permet d'activer par un toucher d'eau 32 points situés sur la tête, mettant en relation les barres, activation de points symétriques. Ah bon. Les barres d'accès ne sont ni une thérapie ni un soin. Hey, c'est même pas un soin. C'est un outil. C'est un outil. C'est comme un marteau. Tu sais. C'est légalement déchargé de n'importe quel résultat que vous allez pouvoir faire de ça. C'est ça. C'est pas une thérapie, c'est pas un soin. C'est un outil qui favorise le fameux lâcher prise. La stimulation de ces points entraîne un relâchement des blocages mentaux, provoque une relaxation intense et lorsque touché doucement, il relâche sans effort tout ce qui empêche de recevoir. Les ondes ainsi activées permettent l'accès à des changements positifs dans le cerveau qui, en quelque sorte, provoquent une diminution de stress et écartent les pensées et les émotions nuisibles à nos vies. Et ça, ça coûte à peu près 95$, une heure. Puis là, tu vas te faire toucher dans la face pendant une heure. On va te toucher le toaster du vieillissement puis la couronne du mystère, puis... Ça va, puis me semble là, l'idée de mettre comme un deuil ou un conflit, quelque chose d'important en arrière d'une espèce de porte-patio spirituel de même, puis se dire ça va être réglé pour tout le temps, me semble c'est pas la meilleure manière de finir heureux. Puis que ça soit vanté par une clinique sérieuse qui a toutes sortes de professionnels, ouais. Moi ça m'a vraiment déçu quand j'étais dans la salle d'attente et que j'ai vu qu'ils en faisaient la promotion. C'est comme fou. Motif de consultation. Et regardez ça. Puis là, c'est toujours, je le dis, là, c'est une clinique privée sérieuse qui offre des vrais services médicaux puis de qualité. Réduire le niveau de stress pour les motifs de consultation pour les bases. Ça, déjà, là, ouf. Atténuer les symptômes d'anxiété et de dépression. Ça me surprend que ça soit qui ose écrire ça. Lâcher prise, bon, là, OK. Se libérer de nos peurs, des automatismes, des inquiétudes, des mémoires négatives. Optimiser la motivation, l'état d'alerte et la créativité. Là, ils ratissent vraiment large. Hein? Je ne sais pas si vous remarquez. Là. Mm-hmm. Libération effective des croyances limitatives. Oh! Toi, on voudrait tout ça. Hein? Augmentation de la sensation de joie de vivre. Hey. Élargir vos possibilités et s'ouvrir à une diversité de choix dans la vie. Dans différents domaines tels que l'argent. Parce qu'on l'a vu, il y a un point d'argent. Il y a la créativité. Il y a un point de créativité. Il y a un point de sexualité. Même la communication. Voyons donc, man, ça n'a pas de petite bosse. Hein? Tu sais, on a un petit point de sexualité là, quelque part sur le crâne. Là. La séance, c'est, ben là, il explique qu'on est confortablement allongé puis tout ça. Là. Une séance optimale dure 60 à 75 minutes. Puis à la fin de la séance, la douceur de cette technique vous apportera un sentiment de bien-être général et un mental apaisé. Là. Bon. Fait que je voulais déjà comme vous montrer ça. C'est partout, même. C'est ça. Comme vraiment que. C'est partout, même dans des cliniques privées sérieuses, ben oui, médicales. C'est capoté, ça. On vend ça, mais on en fait la promotion. On va en apprendre un petit peu plus. Oui, un peu plus. La différence entre Access Bar... Alors, la question qu'on me pose souvent, quelle est la différence entre Access Bar une réflexologie des points de la tête? Alors, c'est simple. Access Bar, c'est des points énergétiques. C'est 32 points de la tête pour un reset le tunnel, mental. Le toast. Alors que les points de la tête en réflexologie, ce sont des points sur des méridiens et on va aller travailler le soulagement des points par rapport au système neurovasculaire, Jonathan. Donc sur la structure musculo et musculaire neurologique. Ah, c'est pas pareil, là. L'autre, c'est des points énergétiques, mais là, c'est des points sur les méridiens. Oui, c'est ça, c'est méridien. Les réflexologies, c'est basé comme un peu tous les trucs asiatiques, c'est méridien. Fait que, ouais, il ne faut pas mélanger les deux. Hein. C'est pas tout la même affaire. Je comprends de moins en moins. C'est hallucinant. C'est pas les méridiens. C'est complètement autre chose. Que les méridiens, c'est des points énergétiques. Oui, mais qui ne sont pas des méridiens. Qui sont précis, puis il y en a un qui s'appelle le toaster. Du vieillissement. Faut pas rire, parce que moi, je me rappelle quand on me touchait le toaster du vieillissement, là, je me mettais à avoir chaud. Tu réagissais au toaster du vieillissement?
Ben oui. Ben écoute, tout à fait. J'avais chaud. Là. J'avais chaud. Là. C'est ça. Fait qu'on on va continuer avec la. On va voir que c'est pas nouveau cette idée-là qu'on a toutes sortes de points sur la tête puis ça signifie quelque chose. On va parler de phrénologie. C'est une vieille affaire. Ouais, il me semble pas pour les ramener, mais. Me semble en Allemagne, ça a déjà été populaire pas mal, ces affaires-là. Hey, j'en reviens pas à la phrase encore. L'exposition dans la tête de Gustave Flaubert se donne pour but de pénétrer dans le cerveau du grand écrivain, mais à la manière dont on le faisait au 19e siècle. C'est pourquoi on a utilisé le biais de la phrénologie qui l'a d'ailleurs beaucoup intéressé. Par ailleurs, on pénètre également dans le cerveau de Flaubert parce que l'écrivain était ce qu'on appelait à l'époque malade des nerfs. En réalité, il était atteint d'épilepsie, ce qui lui a certainement coûté la vie en 1880 lors d'une ultime crise. Alors la phrénologie, d'abord c'est une fausse science qui est apparue au 19e siècle. L'origine, c'est un médecin allemand, le docteur Gall, qui a considéré que la forme du cerveau donnait la forme au crâne des individus et que à partir de cette forme, on pouvait déterminer le caractère d'une personne. Alors, à l'époque où Flaubert écrit Madame Bovary et Bouvard le Pécuchet, c'est déjà un peu une fausse science qui est tournée en ridicule. Et ça va inspirer Flaubert. Alors d'abord, le médecin Charles Bovary possède une tête phrénologique dans son cabinet. Et puis, Bouvard et Pécuchet, les deux compères, s'aperçoivent en étudiant la phrénologie qu'ils ont tous les deux la bosse de l'amitié et se tombent donc les bras, dans les bras l'un de l'autre. Donc c'est une source d'inspiration pour lui, la phrénologie, et on sait aussi que son père s'y intéressait, puisqu'on présente dans l'exposition un volume qui a appartenu au docteur Flaubert, chirurgien en chef de l'Hôtel Dieu, et qui présente les formes des crânes de personnalité. Ensuite, on a également en présentation dans l'exposition la supposée tête phrénologique qui a inspiré Flaubert pour sa description dans Madame Bovary. Le Muséum national d'histoire naturelle nous a prêté un moulage de crâne de la collection Gall qui montre que la phrénologie était également appliquée aux enfants puisqu'il s'agit du crâne d'un enfant qui est considéré comme idiot. Ben oui, c'est sa tête. Alors, dans la phrénologie, il y a soi-disant des zones qui sont affectées soit aux perceptions, plutôt au-dessus des yeux, soit aux affections, plutôt derrière le crâne. Et ces creux ou ces bosses qui apparaîtraient sur le crâne d'un individu détermineraient sa personnalité. C'est de là d'ailleurs qu'on utilise encore aujourd'hui l'expression « avoir la bosse des maths », ce que Flaubert a priori n'avait pas du tout puisqu'il n'était pas du tout doué en calcul et en particulier en gestion d'argent, ce qu'on montre avec les documents. J'aime qui sont ça présentés qu'il swing de dette tout le temps. Ouais, c'est ça, j'ai trouvé que ça résumait bien. La phrénologie. Ouais, puis. Ça a été un prétexte pour plusieurs racistes. Puis après ça, on a donné un nom à ça. Ouais. C'était pour montrer que dans le fond, les bases, ça récupère un petit peu comme des relents de quelque chose du 19e siècle. Fait que c'est très actuel, bien entendu. Ouais, ouais, ouais. Puis là je vais. C'est une des rares fois que je fais de la lecture parce qu'après, on va être uniquement dans des vidéos jusqu'à la fin. Mais je tenais à en mettre un petit peu. Il y a peut-être des petits bouts que je vais vous expliquer vite. Je vais mettre dans. Parce que là, c'est sûr qu'un dossier comme ça, là, on voit pas tout ça à soir. Là. Il y a comme un autre dossier, imaginez-vous donc, dans deux semaines. Là, puis on va continuer parce que hey, c'est applicable là, auprès des enfants. C'est applicable en santé mentale. C'est applicable. Hey, c'est... De nos jours, ils citent, là. On peut payer pour se débarrasser de nos entités. Ben oui, fait que là, c'est sûr que je parlerai pas de ça juste à soir. Fait que Gary Douglas, il a créé ça comme une série de révélations et d'aperçus à un moment de sa vie où il avait atteint un point de non-retour. En gros, ce qu'on comprend, Gary Douglas, parce que j'ai lu pas mal sur lui, c'était un ancien agent d'immeuble, tu sais, vraiment, comme qui faisait du cash,
Puis à un moment donné, il a arrêté de faire du cash. Okay. En gros, là, je résume. Là. Big baller, puis big baller. Mais tu sais, il vient pas de l'intervention, lui-là. Là. Ouais. Puis là, lui, tout ça a commencé par deux questions. Que puis-je être, faire, créer ou générer qui ferait de ma vie du monde un meilleur endroit? Que puis-je percevoir, savoir et être qui ferait que la vie vaudrait la peine d'être vécue? Hey, juste des petites questions comme ça. Ben, écoute, parlant avec les personnes que t'aimes, je pense, de ces affaires-là. C'est pas une affaire, en tout cas. À monétiser. Mais puis là, ce qu'on appelle aujourd'hui Access, ça a commencé à voir le jour en juillet de 90, lorsqu'il était agent immobilier à Santa Barbara. Il a commencé à canaliser des informations sur des points sur la tête qui agissent comme une banque informatique. Là. Déjà, ça, on le sait que c'est pas vraiment vrai qu'on fonctionne comme un ordinateur. Pour toutes nos pensées, sentiments, émotions, considérations, attitudes, décisions, tout ce que nous décidions qui est important à n'importe quel moment de cette vie et de toute autre vie. Fait que lui, il croit qu'on se réincarne. J'ai pensé que cela pourrait être un cours pour les massothérapeutes et les travailleurs du corps. Je dis, bon, OK. On ne sait pas trop c'est quoi les travailleurs du corps. Il est rentré à la maison, puis j'ai appelé 4 amis pour qu'ils viennent à un cours sur le travail énergétique. C'était le premier cours avec ça. Tout ça a été fait à la bonne franquette. Puis là, après, il a rencontré un gars là, qui est docteur en chiropratique, Dr. Dean Heer, qui est un beau bonhomme. Je tiens à le mentionner parce qu'il a une belle image. Alors que Gary Douglas, il a plus l'air du schtroumpf à lunettes un petit peu. Okay. Puis j'ai comme l'impression qu'il est vraiment charismatique, le Dr. Dean Heer, puis qu'il a été choisi un peu à cause de ça. Puis lui, bon, il a embarqué dans sa patente. Fait que j'ai mis d'autres... Puis un docteur en chiropractie, c'est... Je veux pas... Des fois, ça arrive que les chiros font des bonnes choses, mais lui, peut-être pas. Ouais, genre... C'est ça qu'on dirait. Puis ça, on va dans les prochaines diapos, on va apprendre plus de choses... On va apprendre plus de choses ensemble. Salut Stéphane. Puis là, Stéphane... Merci pour le 4 piastres tout pink. Ouais, mais merci d'être là. C'est vraiment... Comment résumer ça? En fait, ce qui arrive, c'est que lui, là, Gary Douglas, là, il aimait pas ça parce qu'il connaissait du monde qui était capable de canaliser des entités. Puis lui, ça y tentait d'en canaliser aussi. Il avait le goût de recevoir des messages. Là. Puis en plus, ça allait pas bien, ses affaires, là, ses affaires là, d'agent ben, d'immeuble. Je viens peut-être tout ça, de comprendre pourquoi. Puis là, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a eu des liens avec la Scientologie. Sa première femme était... une scientologue. Okay. Sa seconde femme, Gary Douglas. Là. On sait qu'il y a de la science, il y a des scientologues. Ben ouais, fait que déjà, tu vois, il y a le côté science. Là. Puis sa seconde femme était une ex-scientologiste aussi. Puis il était également ami avec quelqu'un qui était vraiment haut. Là. Vraiment, tout ça pour dire, Douglas, là, en 87, là, il a un moment donné, c'est ça, comme j'ai dit, il est allé à un party, là, puis il y avait un homme là, qui a channelé une entité qui s'appelle Bachar, là. Puis il a dit, comment ça, lui, il est capable de faire ça, puis pas moi. Il est même pas plus beau que moi, il est même pas plus grand, il parle même pas mieux que moi, il vient du New Jersey. S'il est capable de faire ça, lui, là, comment faire ça? lui, il peut pour moi. Puis là, quand il voyait Gary Douglas qui avait plus trop d'argent, là, il a, hey, c'est une chance. À un moment donné, il s'est levé un matin, puis il était capable de channeler lui aussi. Puis, il a vraiment channelé plusieurs fantômes célèbres, dont un qui est vraiment important. Rasputin. Grigori Rasputin. Le monk fou. Il n'y a rien d'autre à faire. Ben ouais, c'est ça. Là, puis là... Lui, c'est vrai. Lui, Douglas, il l'appelait Raz. Au lieu de Rasputin, il y avait un petit nom. Il l'appelait Raz. Quand j'ai lu ça, les deux mon hommes m'ont Raz. Mon chum Raz. Puis, il y a channelé Gary Douglas. Toujours, je parle du fondateur principal. Vous allez voir dans quelques instants, il y a l'air de quoi. Il y a même une espèce de vieux chinois sage. Il y a également channelé des extraterrestres. Aussi, il y aurait peut-être Douglas été probablement abducté par des extraterrestres qui auraient mis un implant... dans le fond, dans son cerveau. Puis c'est ça qui permet de challenger Rasputin. C'est le fait que les extraterrestres, ils ont mis une chip. Fait que là, il est capable. Puis Rasputin, il dit toutes sortes d'affaires. Puis c'est vraiment Rasputin. What the tabarnak d'hostie, dude! Puis ce Rasputin, là, c'est vraiment lui qui a révélé le secret des 32 bars, incluant le toaster du vieillissement. Le toaster du vieillissement. Là, le gars, il a dit, on peut-tu l'appeler autrement? Il a dit non. C'est le toaster du vieillissement. Parce que Raz a insisté. Rasputin, il a dit que c'était ça. Puis, des années plus tard aussi, là, Douglas, là,
il s'aperçoit jusqu'à quel point là, qu'on est des simples humains. Un humain, là, c'est pour Douglas, là, c'est, ça vaut pas grand-chose. Parce que lui, là, il a transcendé l'humanité. Puis à cette heure-là, Douglas, là, il est rendu un humanoïde. Nous autres, on est juste des humains. Là. Mais lui, il est un humanoïde. Fait que nous, en tant qu'être humain, là, toi et toi, on est des humains. On est limité. Mais du monde comme Douglas, là, qui est parti ça, là, lui, là, il reconnaît tout le comme l'univers, la grandeur de l'univers, la grandeur du plein potentiel de l'être humain dans sa transcendance. Là. Puis là, le but de Douglas, là, avec ça, le Access Consciousness, là, c'était vraiment de faire passer les humains à des humanoïdes. Fait que le but des Access Bars, des 32 points, dont le toaster du vieillissement, la couronne de mystère et tout ça, c'est vraiment de nous faire transformer d'humains à des humanoïdes exaltés. Au moins, c'est accessible dans les cliniques. Oui, mais c'est ça. Puis, tu sais, c'est fun. Il y a des belles cliniques de santé mentale. Il y avait des belles cliniques privées qui nous permettent justement de passer peut-être de. Fait que c'est un marchand d'immeubles qui a eu une visite de Rasputin. Les deux ensemble, ils ont beurré une espèce de cosmogonie qui lui donne le pouvoir d'inventer des patentes qui guérissent le monde de choses qu'on comprend pas, qui n'existaient pas avant qu'il commençait à parler. Ben, c'est ça. Puis, il est bien chanceux parce qu'il était sur le bord de la faillite. Une chance qu'il a trouvé ça. Aïe, c'est pareil comme Raël. Eh ouais. Puis tu vas voir qu'après, je pense qu'il fait bien de l'argent, parce que ses fauteuils, comme tu disais, là, je pense qu'ils valent une couple de 100 000, là, vraiment. Puis en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, il a pris l'avion, puis il a rencontré Dean Heer. Je sais pas si je le prononce bien. C'est le chiropraticien qui est, ils disent, handsome. Il paraît quand même bien physiquement, là. Il a un beau, il est souriant. Tu sais, il a vraiment l'air du gars à succès qu'on s'attend, vous allez voir tantôt, là. Puis il a vraiment comme trouvé qu'il était talentueux. Mais je pense que Douglas s'est surtout dit, « Oh, ce gars-là, il est bien plus charismatique que moi. Je vais l'embarquer dans ma patente. » Fait qu'il est comme devenu son bras droit puis le numéro 2. Fait que Gary Douglas, c'est le numéro 1. Puis il a trouvé comme une espèce, moi, je l'appelle la mascotte, là. Dan Heer, c'est comme une mascotte. Ben oui. Le beau bonhomme, là, pour mettre en avant. C'est souvent ça. Ça avait fait ça avec l'OTS aussi, avec Luc Jouret puis l'autre débile. Ouais, qui met quelqu'un comme en avant-plan qui est plus ouais, beau, plus intellect. Puis lui, il était comme moins à l'aise. Il est moins social. C'est un drôle de personnage, finalement. On va le creuser un peu plus, mais là, on les voit. Bars facilitator, and c'est eux autres. Truly, nobody was ever as bad as I was. Il est en anglais, désolé. Mais c'est pas long. Nobody could, yeah, everybody else could sense the energy, I could. I had no clue what was going on. I was like, you know, and all of a sudden, one day, my hands turned on. And I could feel energies and heat in a way that I thought. Un jour, c'est arrivé, ses mains, il était capable de sentir l'énergie. I began to realize, okay, there's something going on. C'est lui la mascotte. C'est Dan Heer. Tu vois, je l'appelle la mascotte. Il a l'air d'une mascotte. Un chat gonflable. Ouais, c'est ça. So grateful for the first few people who came because they gave me feedback and showed me. Ils ont des fauteuils avec des gargouilles, on dirait. Ah, vraiment. Hey, ça doit valoir cher. And that something was actually occurring, even though I couldn't feel it. I don't know if. Il y a quelqu'un qui te trouve qui ressemble à Mario Bros. C'est vrai, il y a même couleur. C'est vrai. What it is like to be the very first of your kind, doing something that nobody else necessarily gets, doing something that you don't even perceive, you don't feel. I didn't feel it, so I didn't even. Ah, yeah, yeah. Fait que c'est comme le saut, c'est alpha. What's happening here? Ouais, c'est alpha, c'est le monsieur à gauche, puis bêta, c'est quoi? Okay, what's happening here? Because I feel nothing. I feel nothing, so nothing must be. En gros, il explique que eux, ce qu'ils font, il y a personne d'autre qui fait ça. Wow. You also were the first one to realize. Had you known it, that it wasn't about feeling it. No, I know. On n'est même pas obligé de sentir de quoi. It. It's like it's about doing it, and now I, you know, it's like I have people all over the world who are doing these bars and creating major changes. I had one lady who came to a bars class. She learned how to run bars. She started running bars for $65 a session, and it's like. And she never came back to anything else because she was making so much money doing bars. Il y a de l'argent à faire, il dit lui-même. Okay. Doing exactly bars. C'est payant, c'est payant, ils disent. Yeah, and my point of view, people come, they get what they want, and they leave. This is not a cult. Ah! Sorry, we're really bad cults. Personne n'avait parlé. C'est pas une secte. As a cult, you're supposed to have all the answers, and you're supposed to tell people what to do. Ben, tantôt, il y avait un but, là.
And I'm not good at that. I can barely handle my own life, let alone anybody else. Non, non, il y avait tantôt, il y avait un but, là. Il y avait une affaire d'extraterrestre, là. Ah, oui. Every day, for the gift of the bars and the gift of access. The gift of the bars and the gift of access. Le cadeau des bars. Better genius, too, because he's a gift all the time. Le cadeau du toaster. Always a gift to me, for sure. Du vieil smell, toute la chance d'avoir découvert ça. People as well. I know one or two people who think he's miraculous. Thank you. Fait que j'ai fait en anglais, j'ai mis pas long, mais je voulais juste comme donner une idée, ça a l'air de quoi ces deux messieurs-là. Là, on voit un petit peu le Gary Douglas à gauche, puis la mascotte Mario Bros à droite. Là, hey, là, vraiment, le beau c'est... gars, là, bien habillé, avec quand même un drôle d'habit. Et là, on va continuer avec la mascotte. Moi, je l'appelle de même. Je suis désolé, c'est peut-être pas gentil, mais moi, je trouve que c'est la mascotte. Fait que un autre vidéo avec la mascotte en anglais, mais vous allez voir, c'est pas très long. C'est juste, vous allez voir, c'est niaiseux. Hello, le chien. C'est le chien. Tu vois, qu'est-ce qu'il va faire avec le petit chien? Il mangera pas. Hello, beautiful people. This is Dr. Dane here and Ace. And you can tell what he's doing, right? He's actually running my bars. He's on the money bar right now, one of the greatest ones. And non, so t'es pas là. Why? Well, guess what? I am doing for the first time ça, in le many, many tout, years pas là. I'm facilitating ouais, a global bars class coming up in October. Ouais, ouais. And I'm so excited. And really, because this technique quite literally saved my life 22 years ah, ago ouais, when I found c'est it. C'est now he's running Joy and Sadness. Mais le chien fait pas bien ça là. Il touche le tunnel de l'espace et tout. But after this one day class, you'll actually know where the points are. Le chien fait pas une bonne job. You'll actually be able to go out and give this amazing gift of this light touch technique. They're eating the cats. And en tout cas, not eating the dogs. We found that it decreases anxiety, stress, and depression. An average of 87% with one session. Des massages relax, ça va aider tout le monde, c'est sûr. Or starting mais là, il fait des promesses, il dit que ça s'améliore 70% si tu fais ça. Just know, if you have a short attention span, it's okay. And one other thing, the licking of the face is something we don't tend to recommend if you're not canine. Yeah, so just so you know. So consider yourself warmly invited to come and experience something that is so beautiful. Can be such a contribution to you and others, and is very easy to learn and very easy to do, and it quite literally saved my life. Ça paraît qu'Aude Dié est revenu. So I'm very excited. Merci les amis. And so is Ace. C'était José Yvon. Bye bye. Aïe aïe, man! Le chien faisait du access bar, mais il pouvait pas dire la phrase machin. Ben non, lui, il peut pas faire Boys Patvat Ballman de l'ambiance. Hein. Il peut pas faire ça. Toi, t'as assez, c'est quoi? Je sais pas vraiment. Les mots sont pas mal tous là, mais ils sont pas dans le bon ordre. OK, OK. Mais c'est faut ça. Faut dire Pauvad and Beyond. En fait, il faut juste le dire en anglais ou en français. Moi, je les ai mis traduits en français pour qu'on comprenne. Mais justement, ça donne bien que tu me poses des questions là-dessus. Parce que là, je voulais présenter un peu le ton. Parce que tu as pu remarquer qu'ils se prennent pas au sérieux. Là. L'autre Gary Douglas, il dit oh, je sais pas ce que je fais dans la vie. Moi, tu sais, moi, je fais ça, là, mais je suis même pas capable de m'occuper de ma vie. C'est vrai. On n'est pas une secte, nous autres. Vrai, on leur dit pas. Pas quoi penser. Puis lui, on a vu que tu sais, on voit que c'est amical. Il se fait faire des points bas par un chien. On voit que c'est sympathique, une petite musique. Fait qu'ils ont vraiment, ils essaient de passer vraiment pour du monde sympathique. Alors, ils ont du the fun. Boys in the Wood. The Boys in the Wood. Puis là, justement, la fameuse formule de déblayage, qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Donc, je vous montre un des plus gros clips de la soirée qui explique en détail qu'est-ce que c'est la formule de déblayage. Comment allez-vous? Allô, madame. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. À date, ça va swell. En ce qui me concerne, la semaine a été Nadine très, a été très super cool. Elle a tout refait le studio. Un petit peu fatiguée en ça. Ce moment. Et en même temps, très, très, très satisfaite. OK, parfait. Alors aujourd'hui, je voulais partager avec vous ce dont je vous avais parlé il y a déjà deux, Pia Pia Ego. La formule de déblayage d'Access Bars. Alors déjà, on commence avec les Access Bars. Qu'est-ce que sont les bars? Les bars sont un outil pour faciliter. Pam, pam, pam. Je clique, je lag.
C'est de la merde. Les bas sont un outil pour faciliter une façon de fonctionner différemment sur la planète. Bon, ça vous concerne vous, mais vous savez maintenant depuis longtemps que ce qui nous concerne finalement affecte la globalité. Couper un bout, je pense. Ouais. Alors, on appelle ça comme on veut, l'effet papillon, etc. Mais il est un fait qu'un seul individu peut changer énormément de choses dans le monde, rien qu'en transformant et en changeant son attitude. Alors les bases qu'elles vous proposent, c'est effectivement d'avoir un outil qui vous sort de vos limitations, qu'elles soient des limitations acquises hein, par la famille, l'éducation, la société, qu'elles soient aussi des limitations qui ont été induites par les fonctions qu'on occupe dans la vie, de parents, de frères, sœurs, mères, époux, copains, tatati, travailleurs, etc. Par aussi toute l'histoire de la société qui pèse sur nos épaules, le karma, la généalogie, vous avez compris, il y a énormément de facteurs. Il y a beaucoup de facteurs. Eh bien, ce que vous proposent les bars quand vous les activez, le karma, ce qu'on appelle les faire tourner, un facteur. Quand ouais, ce qu'on propose les bars, c'est de déverrouiller tout ça, débloquer tout ça, intérieure. De façon c'est à ça. Que votre point de vue s'élargisse littéralement pour dilater embrasser mon point de vue. L'infini. Là où vous une phalange spirituelle à la fois. Le conditionnement s'arrête. Okay. Alors, quand on a une séance de bars, il ne faut pas espérer, comme souvent dans d'autres séances de soins comme ça, alternatives, qu'il se passe des choses. Vous savez, des fois, ça provoque des maladies, vomissements, machin, etc. Ça n'est pas le cas des bases. Déjà, ils vont être adaptés à votre façon, à c'est vous. C'est rassurant, on ne va pas vous vomir. Et ensuite, quelquefois, on n'a pas l'impression de voir véritablement un changement. Et puis, c'est l'entourage qui constate une aisance, une espèce de facilité que nous avons à faire des choses qui ne nous étaient pas habituelles en fait. Avec et des c'est doigts. Là que vont, c'est ça qui va induire tout un tas de transformations. Ce qui est intéressant aussi avec les bases, c'est pas parce qu'une fois on a déverrouillé quelque chose que ben, vous allez dans la rue, vous êtes témoin de plein de choses, vous allez à nouveau, si vous voulez, estampiller, avoir des nouvelles bornes qui vont être déposées comme ça tout le long de votre route et qui vont à nouveau limiter et conditionner votre façon de voir les choses, votre expérience, si vous voulez, dans la vie. C'est pour ça qu'il est bon de revenir, avoir d'autres séances de temps en temps, quand vous le jugez bon. Si vous tombez sur un praticien ou une praticienne qui vous dit « bon, ben moi, je vous dis, il faudra 3-4 séances », fuyez. Hein, c'est vous qui décidez, personne ne décide à votre place. C'est un des principes des bases. Ça nous vient d'Access Consciousness. Access Consciousness, je vous en parlerai beaucoup plus tard. C'est un processus qui est beaucoup, beaucoup plus large et vaste que les bases, qui va puiser très en profondeur et surtout qui se renouvelle pratiquement, je dirais littéralement tous les trimestres. Okay, on ajoute faut nouvelles choses des nouvelles en rapport avec ce qui se passe dans l'actualité. Il faut y aller quelques fois. Et la façon dont le monde réagit, trimestre. De façon à nous aider. Finalement, la sauce n'était pas bon, fait qu'il faut acheter du muguet. Sinon, d'acquérir et de cristalliser dans nos vies et dans notre conscience. Aujourd'hui, chose promise, chose due, je vous parle de la formule de déblayage d'Access. Yes. Alors, quelle est-elle? Je vous l'avais dit la dernière fois. Right and wrong, good and bad, pog and pod, online, shorts, boys and beyonds. Alors là, excusez-moi, je vais être obligée de lire parce qu'il faut vous donner des explications à tout ça. Et je ne vais pas m'amuser à retenir ça par cœur. Soyons clairs, je ne vais pas vous mentir. Alors, j'ai mon petit fascicule ici et je vais le lire pour vous. Mais vous allez voir, je vais essayer de le lire de la façon la plus agréable possible. Fermez les yeux, laissez-vous conduire. Alors, la formule de déblayage, en fait, agit comme une baguette magique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, je vous ai parlé tu vois, ça de rajoute de la crédibilité avez, à tout le processus. Peuvent intervenir dans des ouais, aspects on comprend de la pourquoi qu'il le recommande dans une c'est une baguette magique, tu l'utilises. Et qui risque de ternir toute votre expérience du moment. Eh bien, vous pouvez décider que, par exemple, la peur que je ressens ou la colère que je ressens en ce moment, je souhaite la faire disparaître, je la détruis et la décrète. Vous avez bien entendu ces trucs-là, on en parlera tout à l'heure. Détruire et décréer. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online, shorts, boys and beyonds. C'est-à-dire que je détruis, donc je détruis, hein, vous connaissez le mot, on détruit, on défait toutes les fondations, etc. qui sont à l'origine de cette émotion qui me dévaste et qui va me bousiller la vie. Je décrée, c'est-à-dire je passe jusqu'à la racine qui n'est pas forcément ce à quoi je pense ou ce à quoi d'autres penseraient et qui quelquefois me dépasse moi-même. Donc, right and wrong veut dire vrai ou faux, ou alors on peut dire juste ou non.
good and bad, on sait ce que c'est, hein, bien ou mal. Poc and pod, poc c'est P-O-C, du point de création, point of creation, P-O-D, pod, point of destruction, au point de destruction. Voilà, jusque là tout va bien. Ouais. Vous suivez. On suit très bien. Online, donc la traduction en français, hein, tous les neuf. Alors les neuf quoi, c'est là que je vais lire parce que... Le premier neuf, comment avons-nous rendu ceci bien, bon, parfait et correct, ou mal, terrible, horrible, mesquin et vicieux? En gros, comment en sommes-nous arrivés là, quoi? Deux, comment cela nous diminue-t-il? Trois, comment cela nous rend-il absolument, totalement, irrémédiablement, infiniment, intégralement et éternellement vide de sens? C'est-à-dire combien tout ça est absurde, quoi? Quatre, quels sont les avantages qui rendent ceci bien, bon, parfait et correct, ou mal, terrible, horrible, mesquin et vicieux? C'est-à-dire quel est le jugement que je vais porter à cette situation? 5. Par rapport à donc la situation, quel choix avons-nous fait ou faisons-nous? Au 6, je tourne la page. Par rapport à donc la situation, quelle création engendre les engagements visant à la création de nos limites? Là, nous explique la baguette magique. Qui sont en place pour justement créer un nouveau blocage. 7. Ouais. Par rapport à cette situation, que ton Pokémon puisse voler. Dimensionnalité. Mais il est pas capable de voler par-dessus les arbres. Par maintiennent, pardon, ceci en existence. C'est ça. Alors cette phrase-là, elle est intéressante, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on aura créé ces blocages, qu'est-ce que ça va induire de façon globale? Ce que je vous avais dit, une attitude individuelle impacte sur le reste du monde. Donc c'est de quelle façon on va créer des liens à travers cette situation qui déjà est bancale avec d'autres situations bancales. Vous voyez l'effet de chaîne. 8. Par rapport à cette situation, combien de contrôle, définition, limitation, forme, structure, signification, linéarité et concentricité utilisons-nous pour maintenir ceci en place? C'est-à-dire tous les systèmes que nous avons dans notre vie, que nous avons à notre disposition, consciemment ou non, comment nous allons maintenant les mettre en place pour que cette situation-là, avec tout ce qu'elle fait émerger, puisse se cristalliser en nous et affecter notre vie, notre point de vue et notre expérience. Et 9, par rapport à donc, cette situation, qu'est-ce que nous ne voulons pas détruire qui maintient ceci en place? Bien oui, quelquefois, comme je vous l'avais dit la dernière fois, on peut être addict au malheur ou addict au problème. Il vous arrive, je pense que dans certains d'entre vous, certains ont révélé cette situation. Les problèmes, pas de problème. Vous êtes dans une situation, ça ne va pas, et vous avez une copine ou un copain qui vous dit ah là là, moi je connais quelque chose, ou quelqu'un qui va pouvoir t'aider. Et là, tout de suite, on est là, ouais, non, mais je ne sais pas. C'est-à-dire, on a passé la matinée à braire sur le problème. Là, il y a quelqu'un, et à demander. On s'adresse à l'univers, Dieu, comme on veut l'appeler. Je veux une solution, fais en sorte que je sorte de là. Il y a quelqu'un qui arrive qui dit, moi je connais quelqu'un ou je connais un moyen. Et tout d'un coup, on fait, ouais, non, je ne suis pas sûr. Eh bien, c'est ce nine-là, voyez-vous. Donc, pourquoi on les appelle all nine? C'est parce que vous n'allez pas vous amuser à réciter tout ça non. à chaque fois. Non. Donc, c'est compris dans les nine. La première fois, quand vous allez lire d'habitude, je suis bon, toute cette formule affaires, de déblayage, votre inconscient va acquérir toutes les ramifications que là, je vous détaille, mais peut-être que vous n'aurez pas besoin de détailler. Des You're welcome. Nous avons Schultz. Schultz, ça veut dire les raccourcis. Alors, il signifie, écoutez bien, qu'est-ce qui est significatif dans tout cela? Qu'est-ce qui n'a aucun sens? Quelle en est la punition? Et quelle en est la récompense? Ben, et ça, c'est la version longue. La version longue, parce que je sais qu'il y a des gens qui voudront la voir, c'est qu'est-ce que cette situation signifie pour nous? Comment pouvons-nous la rendre vide de sens? Quelle punition ou torture nous infligeons-nous en relation avec cette énergie-là? Oui. Quels en sont les bénéfices? Combien de couches et de non-couches avons-nous en relation avec ceci? Qu'a utilisé sa Master Ball? Et combien de rames gluants vides de sens avons-nous par rapport à ceci? Attends un peu. Alors ça, c'est souvent dans l'inconscient. Combien de couches et de non-couches avons-nous en relation avec ceci? Et combien de ramassis gluants vides de sens avons-nous par rapport à ceci? Alors ça, c'est souvent dans l'inconscient. Des ramassis gluants vides de sens. Ce que j'aime beaucoup là-dedans, c'est quels en sont les bénéfices. On revient à tout à l'heure. Vous savez que quand une situation mauvaise, ou en tout cas qui vous dérange, une situation de contraste, se perpétue malgré tout ce que vous pouvez essayer de faire pour la débloquer, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui trouve un avantage à cette situation. Donc, quelquefois, souvent, avant de chercher à régler une situation, avant de vous poser la question de savoir en quoi elle vous fait du mal, demandez-lui
ou demandez-vous, qu'est-ce qui en moi trouve un avantage à cette situation? Moi, par exemple, je sais qu'en ce moment, j'ai pris du poids. Au demeurant, ce n'est pas dérangeant d'avoir pris du poids, mais moi, ça m'emmerde de devoir changer ma garde-robe, soyons clairs. Je ne suis pas une fan du shopping, donc s'il faut en plus que je cours pour aller acheter des fringues partout, ça ne va pas me plaire. Et puis, donc, je me suis demandé quel était l'avantage que je trouvais à cette situation. Alors, je ne vais pas revenir dessus parce que c'est quelque chose de très personnel, mais apparemment, j'ai trouvé le moyen de me protéger de l'extérieur. Donc, on était à Shorts. Maintenant, on a Boys. Boys, c'est les gars. Donc, les garçons. Les Boys, ça représente les sphères nucléées. Alors, celles-ci sont préverbales. Ça veut dire qu'elles correspondent principalement au domaine de notre vie où nous avons essayé de gérer quelque chose continuellement sans aucun effet. Il donne un exemple, je reprends. As-tu déjà essayé de peler les différentes couches d'un oignon sans jamais parvenir à quoi que ce soit par des larmes? Mais si tu n'arrives jamais à atteindre le cœur d'un problème, c'est que tu as affaire à des sphères nucléées. Beaucoup essayent de retirer les couches, tout comme celle d'un oignon, alors qu'en fait ce n'est pas un oignon, c'est une sphère nucléée. On va plus loin. Les sphères nucléées sont comme des pipes à bulles des enfants qui ont 5 petits trous. Et lorsque tu souffles dedans, ça fait jaillir des bulles. Et bien quand tu en éclates une, donc une des sphères, une autre rejaillit. Tu en éclates une autre et une autre apparaît toujours et le problème ne disparaît jamais. Alors au lieu de t'attaquer à la source des bulles, à savoir le souffleur, tu continues à éclater les bulles qui sont ailleurs et le problème ne disparaît jamais. Donc combien de sphères nucléées as-tu que tu as mal identifiées et détournées comme des oignons incomplets de ta vie? Tout ceci fois un dieu liard. Un dieu liard, ça veut dire waouh, on multiplie, je ne sais, ben voilà, puissance exponentielle. Vas-tu les détruire et les décréer? On en a parlé tout à l'heure. Right and wrong, good and bad, pock and pod, on night shorts, boys and beyonds. Pock and pod. Alors beyonds, on y arrive. Beyonds, c'est au-delà. On dépasse les limites. Mais beyond, si tu fais des sensations que nous avons raccourci dans notre corps, pod, qui nous arrêtent net. Quoi, les autres, t'es fait pas un raccourci? Aurais-tu déjà reçu une facture dont le montant était bien au-delà du montant prévu? Ça serait prévu? Trop simple. Oui, hein, tu vois de quoi je parle. Bon, lorsque tu reçois cette facture, tout s'arrête et se solidifie dans le temps. Je sais que dans mon cas, c'est un petit moment de terreur, quoi. L'espace, les dimensions, la réalité, tout là, fait on plante des affaires, des nerfs, ça débloque des choses. Ça, c'est un au-delà. Chaque fois que tu te figes, c'est un au-delà qui te tient captif. Il y a des c'est la difficulté avec un au-delà. Sphères avec ça t'empêche d'être d'oignons, présent. Puis... Donc tous les au-delà, créant des au-delà éternels qui te gardent en captivité. Les au-delà éternels. Pour nous tous les détruire et les décréer maintenant, faut un dieu détruire là, les au-delà. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online shorts, boys and beyonds. Alors beyonds donc un tout ce qui long, dépasse les croyances, la réalité, short. L'imagination, la conception, la perception, la rationalisation, le pardon et tous les autres au-delà. Ce sont généralement des sentiments et des sensations. Ce sont ouais, des implants pas mal raison, et des explants Keto, composés principalement ça de la biologie totale. Rarement des émotions et jamais, d'halluciner jamais des explications. Des c'est pas mal ça. La plupart des mots en ex, par exemple, sont des au-delà. Excitation, exténuation, etc. Tous les au-delà créant des au-delà éternellement au-delà. Et la formule complète que tu utilises des lorsque tu dis au-delà, créant des dans au-delà, la formule au-delà des éternellement. Dire, quand tu dis beyonds. Ça s'appelle donc à chaque l'existence. Fois que tu as un sentiment ou une sensation, demande toutes les au-delà, créant les au-delà éternellement au-delà connectés à cela. Right and wrong, good and bad, pock and pod, online shorts, boys and beyonds. Voilà, et dès que tu reconnais que tu perçois une énergie, l'énergie est ce qui change véritablement la limitation, pas les mots. On transforme l'énergie et tu transformes ta vie. Voilà, donc la formule de déblayage, on la redit aujourd'hui, par exemple, on veut passer une bonne journée. Donc tout ce qui te fait croire que tu vas passer une mauvaise journée, tout ce qui te fait croire que la journée d'aujourd'hui ne sera pas exceptionnelle, magnifique et brillante, veux-tu le détruire et le décréer maintenant? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online shorts, boys and beyonds. Je commence à les voir venir. J'espère que la formule vous aura servi. Ben non, mais ça sert à rien. Je vais la réécrire en bas. C'est une baguette magique. Mais je vais la réécrire. J'aime ça. Et comme ça, vous pouvez l'utiliser. Vous n'avez pas besoin d'être à Pradien Access pour l'utiliser. Ça n'interfère absolument pas avec votre religion, quelle que soit la religion que vous pratiquez. Ça n'interfère pas avec votre système de croyance si vous êtes un athée, une athée pure et dure. Ben, c'est oui, quelque chose que qui travaille avec qu'il y domaines, avait des niveaux de réalité. On va dire
liée à la métaphysique, c'est-à-dire qu'on travaille sur les énergies et l'importance et la représentativité que nous avons donnée aux mots, puisque c'est cette représentativité-là qui nous permet de vivre le monde comme nous le vivons. Je vous rappelle que l'expérience qu'une personne a est différente d'une personne à une autre, vous le savez bien. Quand on est témoin de la même chose, bizarrement, on ne voit pas la même chose. On ne décrit pas les faits de la même manière. Ouais. Même pas les personnes, même pas les fringues la plupart du temps. Même pas les couleurs aussi. C'est pour vous dire à quel point tout dépend de l'observateur. Bye. Je vous souhaite le meilleur. On se dit à bientôt, bien sûr. 50% intention, 50% interprétation. Vous appréciez ces moments. Moi, j'adore ces moments avec vous et puis les interactions que j'ai. Aïe, aïe, Joe, Collis. C'est ça, j'avais dit que ça serait un peu plus compliqué que le Reiki. Pas d'un poc, là. C'est, C'est ça, écoute. Point of creation, point of destruction, puis eux autres, tu peux le dire en plus rapide, en contracté. Right and wrong, good and bad, puck and pod. Il y en a un qui, c'est quand il parle de Coupe Stanley, là. Hey, c'est niaiseux, tabarnak. Ben oui, les boys. Puis c'est assez compliqué, là, l'affaire de l'oignon, qui est en fait un noyau nucléaire. J'ai rien compris. C'est comme un oignon, puis... On essaie de l'ouvrir, mais dans le fond, il n'y a pas de... Il n'y a rien à ouvrir. C'est comme, j'essaie de l'ouvrir de base. C'est la magie bien compliquée. C'est un petit peu ça. Fait que c'est peut-être qu'on aurait été mieux de ne pas le savoir c'était quoi la formule de DBH, parce que je pense que c'était mieux quand c'était laissé à notre imagination. C'était plus simple, ouais. Parce qu'on se disait juste c'est de la magie, pou, puis là ça en dit d'autres choses. C'est moins magique un peu. Hey, j'ai mis une petite toune là, pour se donner une petite pause à peu près dans le milieu de ton aventure. Oui, on approcherait du milieu. Peut-être encore une petite affaire, puis je prendrai une pause. Ouais. OK, parfait. Ben, on continue avec un prochain clip. Oui, là, on va changer de beat. Un petit mantra chanté. Hey, Access friends. I was having so much fun with the Access Consciousness Mantra this morning as I was driving my kids to school. So I just wanted to share it with you in case you're like me and like to sing anything si you're doing. And if you're new to Access Consciousness, this is the Access Consciousness mantra that Gary Douglas, que Gary nous a appris. On doit le dire 10 fois chaque jour. Ça, c'est bien important. Pour que ça améliore notre vie. Si tu commences, tu oublies, tu vas mourir. All life comes to me with ease and joy and glory. Viens à moi avec de la paix et de la joie. All life comes to me with ease, joy and glory. Chante ça 10 fois par jour. And glory. And glory. All life comes to me with ease, joy and glory. Et tout seul là-dedans. All life comes to me with ease, joy and glory. And glory, all life comes to me with ease, joy, and glory. Boom, boom, dee da, boom, boom, dee da, boom, 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 dee da. All life comes to me with ease, joy, and glory. And glory. All life comes to me with ease, joy, and glory. Boom, boom, dee da, boom, boom, dee da, boom, 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 dee da. All life comes to me with ease, joy, and glory. And glory, and glory. All life. Tu peux pas faire ça 10 fois par jour. Ah, c'est qu'elle chante 10 fois, là, elle y fait les 10. Ouais, je pense qu'elle y fait tout à ta marathon. All life comes to me with ease, joy, and glory. On va être capable, on va être capable. And glory. Go, oui. All life comes to me with ease, joy, and glory. Je pense qu'elle s'est pas comptée, on a dépassé 10. Mais c'est pas dangereux. Pourquoi faut en faire 10? Je sais pas, mais on en a fait plus que 10 dans le chat, hein? Ben oui. On en a fait plus que 10. Mais pourquoi, mettons, t'en fais 11, tu viens-tu te briser tout? Si t'en fais 9,5, vas-tu recommencer au début? Je pense que j'ai compris. Peux-tu finir plus tard? Ah. Peux-tu en faire 20 aujourd'hui et je suis correct pour demain? Ah, c'est toutes des questions que, malheureusement, elle n'a pas discutées, mais j'ai l'impression que la clé, c'est au moins 10 fois.
Povads and Beyond, sac, c'est ça l'affaire. Mais oui, mais oui. C'est quoi Povads? C'était quoi Povads? C'est Point of Creation, me semble, quelque chose du genre. Ah, fuck. En tout cas, quelque chose comme ça. Fait que là. Aïe, aïe. C'est sûr que tout ça, c'était un peu abstrait. C'est gratuit. Au moins, là, le monde qui font ça, ça coûte à rien. Ah, ben non, ça coûte de l'argent. Chaque séance, ça coûte à peu près 95$. Oh, life! Comes to me with ease and glory. Oui, il faut chanter parce que sinon. Tu te fais torcher. Hein. Ah, ici, c'est démonstration avec une journaliste. Oui, ça va être ça avant la pause. C'est le dernier clip. C'est parce que là, jusqu'à maintenant, ça, c'est un peu abstrait. Mais là, il y a une journaliste. Là. Elle a décidé d'essayer les bars. Avec du gros travail journalistique. On sait très bien que dans les moments où il n'y a plus le mental, il y a des intuitions qui viennent. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien faire. On va agir, mais pas par réaction. Ça, c'est le mental. On va agir par inspiration. Et c'est complètement différent. Alors, on va juste commencer par ce qu'on appelle un tirage énergétique. Alors, il y en a trois. Hein, ouais. Je vais en faire deux, d'accord, hein, pour montrer comment ça se passe. Donc, voilà. Et là, en fait, je tire l'énergie depuis les pieds, à travers le corps, à travers ta tête, mes bras et ma couronne. Ça, c'est le Reiki de la dernière fois, là. Ah non, c'est tout à fait différent parce que là, elle touche. Alors, ce n'est pas une thérapie, c'est un outil. Est-ce qu'en quelques mots, tu pourrais nous expliquer quelle est la différence, finalement? Ah oui, la différence, pour moi, en tout cas, elle est énorme puisque j'étais psychothérapeute à la base. On est facilitateur quand on utilise cet outil. C'est-à-dire que c'est un outil, c'est une boîte à outils, ce sont des processus, c'est une méthode qui permet aux personnes qui utilisent cet outil de libérer leur vie, de libérer tous les points de vue figés, de libérer les mémoires cellulaires qui ont sclérosé des événements et qui, à notre insu, viennent saboter notre vie. Donc, en fait, quand on est facilitateur, comme c'est mon cas et le cas de plein d'autres personnes, un petit peu rough, on n'agit pas sur la personne, on ne la soigne pas. On lui permet de libérer ce qui l'empêche d'être elle-même. On n'a même pas à changer, juste devenir soi-même totalement. Là, je suis sur une barre qu'on appelle la bande d'un point. On n'a pas à changer, mais on doit devenir totalement soi-même. Donc celle-ci, on la garde plus longtemps que les autres. Alors, d'où est-ce que nous vient cet outil? Alors, cet outil, il nous vient d'un homme extraordinaire, Gary Douglas, qui est un Américain. Masseuse médium, fait du Reiki, travaille les chakroïdes, tabarnak, moustiquaire. Ça existe aux USA depuis très longtemps. Ouais. Et en France, ça a vraiment démarré il y a 3 ans. Dans Access Consciousness, il y a 4 outils principaux qui pourraient définir ça m'étonne pas vraiment, cette moustiquette. Méthode. D'abord, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est les barres. Les barres, donc, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est 32 points qui sont sur la tête, que quand on met les doigts en polarité, sont surtout dans ta tête. Une barre électromagnétique qui va dissoudre les cristallisations de points de vue, de mémoire, check, j'ai mis le... de fatra, des le choses que tu ne sais même pas que tu portes, peut-être même du transgénérationnel, de l'inconscient collectif. Parce que c'est pas comme du Reiki, c'est très, très, très différent parce que c'est juste sa tête. C'est vrai, il l'autre poignet, il boule la mémoire, madame. Là, ce qu'elle dit, ça m'a... Des choses que tu ne sais même pas que tu portes, peut-être même du transgénérationnel, de l'inconscient collectif, mais qui t'empêche de révéler par qui de l'inconscient collectif. Toute la splendeur et la joie que tu es. Et tu le sais qu'on est une joie sur pattes. Tu le sais toi-même, même si tu dis qu'il y a des moments où peut-être elle n'est plus là. Quand elle n'est plus là, on pourrait dire que c'est un nuage qui est passé devant. Ça semble le mieux, c'est comme dans Access, d'être... on souffle sur les nuages. Et donc, rien que le fait de mettre les doigts sur ces points souffler qui sont répertoriés, hein, on a le point corps, sexualité, on a le point argent, on a la paix, on a la tristesse, le point argent, la joie. Sur notre tête, tu dire, le toaster de... il y a tout ce qui fait notre ben incarnation. Oui, j'aimerais ça qu'elle dise avec son accent. Et il y a des zones très spécifiques vas-y. Où, le tunnel. Si tu mets les doigts, tu vas pouvoir, si tu es prête, parce que là aussi, je pense qu'il y a une nécessité quelque part d'avoir vraiment envie de changer. On ne cherche pas à comprendre, on ne cherche pas à savoir, on ne cherche pas à contrôler la situation. Donne-moi ton cash. C'est ce qu'on appelle le laisser-être. Parfois, quelqu'un va te dire « je veux être heureux », mais en fait, ce qu'il aime, c'est raconter comment il est malheureux.
tu vois. Et donc là, il y a mais aussi... inconsciemment, il y a des choses qui obstruent à ça. Oui, mais c'est... il ne le sait peut-être même pas, lui-même. Moi, ce que, je, ah, ce que j'ai pu explorer, les bloqueurs, c'est que... beaucoup de gens aiment la sécurité. Ça, tu parles à des roches, puis à un moment donné, tu réalises. Et pour pouvoir aller dans l'insécurité, c'est-à-dire l'inconnu où il y a tous les possibles, finalement, il faut arriver à un niveau où cette sécurité, elle ne remplit plus ben assez. Non, on ne peut pas mettre c'est-à-dire des pop-tarts dans un degré toaster du lit. Presque de mal-être et de souffrance qui va faire que, bon, OK, j'y vais, j'ose. Tu vois, oser, c'est ouvrir d'autres possibles, c'est accueillir d'autres possibilités. Et en fait, ben, c'est accueillir le changement. Ça ressemble à et ça, donc, une en séance. Fait, déjà, quand tu mets ces points, tu vas, tu fais le lien un protocole. Et donc, le protocole va toucher à tous ces aspects de notre vie. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que la personne qui va mettre les doigts, et c'est là qu'elle n'est pas une thérapeute, elle est quelqu'un qui facilite. C'est-à-dire qui permet à la personne qui est allongée de lâcher ce qu'elle est prête à lâcher pour pouvoir donner tellement d'espace à l'intérieur d'elle-même qu'elle puisse laisser émerger et exprimer la potentialité qu'elle est. Oh ben, tu vois ce qu'elle est vraiment. Wow! Wow! Alors, on va en faire une. Wow! Par exemple, qui est... oh, man! C'est du monde qui justifie qu'ils vont mettre des doigts dans ta face puis tu vas me donner plein d'argent en échange puis je vais être correct dans ma tête. On va mettre nos doigts de façon... de telle façon, positionné de tel endroit que l'énergie va... Non. On va avoir l'impression que l'énergie descend dans la tête, en fait. Hein? C'est non, une façon de libérer okay, oui. les points de vue okay. et tous les jugements qu'on a achetés consciemment ou non, les jugements. Concernant le fait de vieillir. Moi, j'ai serré là. Les dans... opinions qu'on c'est a. C'est le toaster du vieillissement, ça. Dans le toaster. On devient moche. Elle l'a pas prononcé. Les deux, les doigts dans le toaster, Chris. L'Alzheimer, le déambulateur, la maison de retraite. Il manque juste enfin, les pop-tarts. Bon, les cheveux blancs, voilà. Mais on n'est peut-être pas obligé de garder ces points de vue comme étant une vérité. Hein? Et en libérant, en fait, ces points de vue, on peut créer une réalité différente. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à monter ben en âge. Ben, imaginez autre chose. Moi, des fois, je suis un druide nécromancien. On n'est en ayant tous les mots de la Terre. OK. Hein? C'est-à-dire qu'on peut monter en subtilité en vieillissant. Une autre chose quand même, juste... Ben, ça ne veut rien dire. C'est du bouillon de poulet pour l'âme. On appelle le mantra... C'est un peu irrévérencieux, mais finalement, c'est une belle vibration. Ben oui, des reçus c'est de naturopathie de pour les assurances. Avec facilité. Qu'on paye collectivement pour attends, ça. Tout de la vie. Que ça encourage la création de gourous. Bon. Là, on ne choisit pas, on ne dit pas ça. Saucé, ça tout. Je sais pas, hein. Tout de la vie vient à moi. Facile, tu es même pas allé les chercher, ça vient à toi. D'accord? Avec facilité. Franchement, moi, les choses compliquées, j'en ai fait pendant 60 ans. J'en veux plus. C'est mon choix. Je ne juge okay. pas les gens qui aiment ça les choses compliquées. Ça fait genre 4 ans qu'elle a arrêté avec les choses compliquées. Avant, elle était psychothérapeute. J'ai fait aussi le choix. C'est ça. Elle était un peu comme une Julie même Mandel, si les événements sont terribles Lucie, autour de moi, Lucie Mandel, je sais ouais, qu'au fond ça. De moi, il y a une lumière qui, elle, ne peut pas être éteinte, qui est ma joie, la joie du petit enfant, cette joie profonde. Okay. Donc, joie, bah, tant qu'à faire, oui, je veux bien que ça soit ça fait vraiment pas sain, ça. Gloire, ça veut dire justement expert, le plus grand de tout ce qui peut arriver. C'est-à-dire, en fait, il n'y a rien qui soit plus grand que gloire. Ce mot est magnifique parce que, qu'est-ce que tu veux ? Tu es là dans ta gloire, alors, t'es dans la, tu reçois tout facilement de la vie, tu le reçois dans la joie, ça vient à toi et en plus dans la gloire. Ben, moi, ça me va très bien. Donc du coup, ce mantra pour les gens qui nous regardent aujourd'hui, on peut déjà se laisser. Floppy Fred oui, dit de faire attention la prochaine fois qu'on se lave la tête, il ne faut pas mettre de l'eau dans le toaster du vieillissement. Effectivement, là. Ça pourrait pogner l'incendie dans le rideau de douche. Si on ne veut pas finir comme le fameux chanteur français, là, Claude François, dans cette mort dans sa douche. Là. Bon, elle a changé de la prochaine fois, là, faites attention, ne mettez pas trop d'eau. On a bien besoin, c'est joie, tristesse. Allez, joie, tristesse. Là, elle est en train de tripoter la joie et la tristesse. Alors, la joie, bien. Elle n'est pas obligée d'être consécutive à des événements extérieurs. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon on ne serait jamais joyeux. La joie, ah, c'est oui. quelque chose sur lequel on a beaucoup de jugements, justement, quand il y a des catastrophes. C'est la joie, des la joie spécialiste. On se dit, mais comment est-ce que je pourrais être joyeux avec ce qui se passe dans le monde? Mais c'est justement l'inverse, c'est comment est-ce que je peux être joyeux malgré tout ce qui se passe dans le monde et comment puis-je libérer ma joie naturelle qui est en moi?
comment puis-je libérer la joie naturelle qui est en moi? Fait, l'access bar, c'est pour libérer la joie naturelle. Si tu veux, moi, je vais c'est ça, donner mais c'est naturel, mais il faut quand même payer. Ouais. On a besoin d'un facilitateur. La personne est prête à recevoir. C'est super compliqué. Pareil, il y a encore plein d'évolutions. Là. Elle va dire après. L'axios consciousness. Oui, mais parce qu'elle aussi, elle est dans une action. C'est pour ça qu'on ne fait pas les bars à distance. C'est pour ça qu'on n'agit pas sur les gens. Il faut qu'il y ait à un moment donné cette... Toi, j'ai envie de faire ça avec mes bras. C'est accueillir. Accueillir, ouais. Voilà, accueillir. Et donc, dans un processus qui est formidable, c'est que la personne qui fait, elle ne sait pas ce qui se passe. Et moi, c'est ce que j'aime. Pendant des années, c'est vrai qu'on il fallait pas que je sache passe, ce qui se passait, ouais. J'interprétais, j'aiguillais. Maintenant, c'est fini. Je dirais que c'est une approche pour les paresseux. Ah, mais dans le bon sens du terme. C'est une approche pour les paresseux. Qui s'appelle Argent. Contrôle, créativité. Moustiquaire, ça ne me dit rien du tout. La spécificité, là, c'est qu'on l'éducation fait somatique, ça me dit rien. En même temps. On active trois points. Hein. Donc là, argent, contrôle et créativité. Je ne connais pas, moi. Parce que c'est vrai que si on les fait toutes argent, une contrôle une, et bon, créativité très, sont très maintenant long, activés, donc, mesdames et messieurs. Trois, des fois plus. C'est un départ. En même temps. C'est incroyable. Alors, quand on fait ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ça crée une barre électromagnétique qui va dissoudre les points de vue, les jugements, les opinions, les choses même qu'on ne sait même pas qu'on a adoptées, en fait. Par exemple, sur l'argent, là, je suis sur le point argent, eh bien, vous avez très bien pu avoir, je sais pas, une faillite financière dans ta famille, ou une spoliation pendant la guerre, on n'en sait rien, tout est possible. Depuis la nuit des temps, il y a un petit bout de... y a eu tellement de choses par rapport à l'argent et au vol, depuis etc. la nuit des temps, il y a tellement de choses par rapport à l'argent. Les mémoires peuvent être restées figées. Et on ne sait pas forcément. Des mémoires restées peut-être figées. Peut-être que, par exemple, on dans est la quelqu'un nuit qui travaille beaucoup, qui gagne beaucoup d'argent, mais l'argent part tout le temps, disparaît. Okay. Il n'arrive pas à rester. Ça peut être, c'est pas sûr, mais ça peut être parce qu'il y a une mémoire liée donc, à des événements ou tout simplement à l'inconscient collectif par rapport... l'inconscient collectif. Quand on en a, on ouais, le vole. On a un problème d'argent à cause de l'inconscient collectif. Il y a un problème d'argent qui existe sur la planète sur l'argent. Et qu'on c'est parce que je veux bien, mettons, le constructivisme. Ça, en fait. Mais l'inconscient collectif, je ne sais pas c'est quoi. Ça risque de quoi de plus poétique que réel. On peut aussi se débarrasser de tous ces jugements-là. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est... Par exemple, la joie, la paix, la gratitude. Imaginez que tout le monde alors, se fasse ça. Tu sais, il y a quand même un problème dans Access. Et un grand problème, c'est que c'est trop facile. Ah. C'est tellement facile que les gens sont là en disant, mais attends, en une journée, tu vas changer la réalité. Moi, la première, tu sais, quand on a fait des années, des avant, années avant, j'étais pas ça à des choses. Et... il faut avoir presque une forme d'humilité ou de curiosité pour aller dans un comme univers qui est tellement différent de ce que tu as appris avant. D'être ouvert d'esprit. Et où justement, on ne te demande pas d'interpréter, on ne te demande pas de comprendre, on te demande de ne pas savoir. Justement, c'est tu bien moins compliqué qu'être attends, psychologue. Ça repose, hein? Tu m'étonnes. J'en reviens pas. Tu as senti encore. Un peu des choses? Ouais, hein? Dis donc, et en plus, c'était court, hein? Ouais. Oh, mais je suis très sensible. Oui, moi, ça chauffe. Ben, c'est peut-être mieux d'envoyer une autre personne qu'une personne très sensible. On peut te retrouver sur un site internet. Est-ce que tu pourrais nous donner l'adresse? Oui. Alors, déjà, le site internet d'Access Consciousness, qui est accessconsciousness.com, où là, les personnes peuvent trouver beaucoup de choses en anglais, mais il y a des choses traduites. Et puis, il y a la liste de tous les facilitateurs et praticiens du monde entier. Et il y en a maintenant presque partout. Sinon, sur le site, il y a beaucoup de choses aussi en français. Il y en a plus de 100 000 à travers le monde. Super. Et sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos. Je pense dans 26 pays différents. Conférences dans plein de langues différentes. Salut Rich, c'est passé, man. Rentre bien. Bon, ben, en tout cas, c'est sur Internet. Et il y a beaucoup de vidéos de Gary Douglas et de Dane Eyre qui sont sur YouTube et qui sont passionnantes aussi. Ah oui, des vidéos passionnantes. Certaines sont traduites. Okay. Ça va devenir de plus en plus traduites. Ben oui, vu qu'il y a tout le monde. Bon, c'était une superbe expérience. Hein. Moi, je vous invite à découvrir. Ah oui, le Access Bar, je pense encore plus sausé que le Reiki. Et surtout, à en faire l'expérience. Au moins, le Reiki, on peut essayer de justifier ça avec des extraterrestres, puis des boules, puis des oignons. C'est un plaisir, un honneur.
Access Consciousness. Ça, c'était pas nécessairement l'Access Bar. C'est comme l'Access Bar, c'est une partie de Access Consciousness. Ouais, puis c'est ça qui est mélangé un petit peu conclure cette première partie-là. C'est que Access Consciousness, c'est pas facile à prononcer. La formule de déblayage, c'est un élément de l'approche d'Access. Voilà. Les bases de toucher le crâne, c'est un autre élément. Fait qu'il y a comme d'autres patentes, on les verra pas toutes dans le cadre du dans le cadre de mon dossier, mais on va voir l'étreinte de l'abus, on va voir comment ça peut aider à la gestion du stress. Fait qu'il y a d'autres choses que juste toucher. Le facelift aussi. Oui, le facelift. Fait qu'il n'y a pas juste toucher les poings, il y a comme d'autres affaires, mais disons que d'autres affaires à la mode. Hein? Mais tout ça pour dire que les bases, les 32 points, c'est peut-être ce qui ressort le plus. Hey, l'étreinte de l'abus. On check ça de l'autre côté de cette petite pause ici de nos amis sous toute réserve. Merci d'être à la Dandum avec moi et Jonathan Blais. On vous laisse aux mains de Carl et Marie. On est de retour dans quelques instants. Ouais, on est là. Là, 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 là. Allez, on poursuit notre aventure au pays des access bars. On m'entend toujours bien, ouais. Excuse-moi, j'avais oublié ton micro, vas-y. Ouais, OK. Ben, c'est ça, on a déjà dépassé la moitié. Là, jusqu'à maintenant, Tommy, fais-moi un résumé de ce que tu as compris. Est-ce que tu es attentif, là? Ben, la phrase, je te dirais, là.
C'est comme une baguette magique. J'ai appris que le gars, il était agent immobilier. Puis que c'est sauce en tabarnak. Là. C'est vraiment cinglé. Là. C'est... pas Ken Pod. C'est... c'est ça. C'est mon opinion. C'est... oui. Puis là, on va tomber dans quelque chose d'autre. Même, je pense, je pense que ça allait être dangereux. L'idée de refouler toutes tes affaires négatives, puis de juste, par la magie de t'es meilleur que ça, on n'en parle plus. Il me semble qu'il y a un fond de danger là-dedans. Pis effectivement, ça va nous emmener tranquillement vers d'autres choses. Il y a des éléments qu'on va voir dans deux semaines, parce qu'ils vont s'improviser en santé mentale, en trauma, ils vont faire des interventions auprès d'enfants. Il y a beaucoup de dérives, il y en a que je vous garde pour dans deux semaines. Ben oui. Mais justement, on va voir une de ces dérives-là assez particulière. Je vais juste vous donner comme une petite mise en contexte. On va parler de lifting facial énergétique. Moi, je trouve que ça me fait penser un peu, je sais pas si tu te rappelles, là, la coupe de cheveux énergétique, là, le monde, tu te rappelles de ça? Oui, la trachéotomie. C'est ça, là. Tu t'en vas te faire couper les cheveux, mais tu t'es fait pas couper, finalement. Trachothérapie, là, ouais. Des fois, ils donnaient comme des coups avec une hache, là, puis ils en descendaient juste deux, trois. Là. Ben, c'est ça. C'était, oui. Fait que le lifting facial, c'est un peu, c'est comme, ça me fait penser un petit peu à ça. C'est vraiment, déjà une connaissance à moi qui avait fait la formation Access Bar qui fait toutes sortes de soins spirituels là, de, bon, incluant les Access Bar. Puis à un moment donné, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle offrait ce service-là de lifting facial énergétique. Elle montrait même un exemple d'une madame avant puis après le lifting facial énergétique. Puis on dirait qu'après, elle avait l'air d'avoir moins de rythme. Mais tu sais, ça, c'est juste, tu trouves le bon angle au niveau de la lumière. Ben oui, t'augmentes la caméra un peu. Puis aussi, là, soudainement, c'est la magie. Ouais. Puis elle chargeait là, comme quelque chose comme 80-90$. Fait que j'étais comme, ah, OK, là, elle est rendue qu'elle vend du rêve et tout ça. J'étais un peu déçu là, qu'elle charge pour une niaiserie comme ça. Donc, le lifting facial énergétique, vous allez voir, ça vous donne déjà une idée c'est quoi. Les vidéos vont nous en dire plus. Access facelift. Now, what is this? On va commencer basically, it's a way of energetically beginning to undo the ravages. La mascotte est tout à so that you can start to have Chad a face in which you appear younger and more vibrant. And with changing the face, it also usually changes your points of view. And en changeant la face, is, on change you look les different, points. You act different, you talk different. And things can change. So this first position is about putting your hand on the person's chest. C'est la première position. Gravity is what creates the place where the face begins to sag. La gravité est bien importante. So what you're doing here is essentially reversing the effects of gravity on the upper body. Ah ouais, t'es en train de renverser les effets de la gravité sur le haut du corps. Ben oui, puis ça va te faire rajeunir. You just become that energy and it's not a, you know, it's not a thought process you do. Tabarnak, c'est de la mort. What this tends to do is start to actually move the area around the ears and around the back of the neck as well as the front of the neck and the chin. Ben oui. Actually activating the muscle structure in the face. Which Dean here. Oui, c'est Dean here, celui qui se met, qui a des pouces dans la face. As you get older, as you want to try and work on all the wrinkles in the forehead, but you know the hair is also part of what creates a space for. Moi, d'après moi, oui. Je serais pas surpris qu'il est là-dedans. Gaïa TV, hein, c'est ça. So I've begun. So I'm introducing these energies, which are the facelift energies, which you'll see in your manual and learn to know. There's so many different energies in the facelift, so we're working with all of the different systems of the body, in the body, around the body, through the body, and in the universe. Right, and so I would traditionally, when I started learning the facelift, you know, we start at the chest. On commence right? par le chest. I almost feel like I can't touch his chest today. It would be too invasive to his body, and so what feels better ça and easier is out here. Feels easier body. To me. Si je le touche, more comfortable. Je ne peux pas le toucher. Mais tantôt la gravité, c'est la chose importante à combattre. I want to say thank you so much for participating in this class and finding out what is actually possible to for you that's available for you when c'est, working c'est with bodies, when working with faces, when working saucy. With people.
Je peux pas craindre qu'on rembourse des affaires de... Fait que là, tu peux te peser sur pause brièvement. Fontenelle. Fait que là, on a eu la brève explication en anglais, puis c'était un peu compliqué parce que là, au début, c'était important pour combattre la gravité puis ralentir le vieillissement qu'il touche. Mais l'autre, elle sentait que c'était pas une bonne idée d'y toucher la poitrine. Fait que t'es peut-être plus de l'école. Là, on voyait dans le Reiki, il y en a qui touchaient, il y en a qui touchaient pas. Fait qu'elle, peut-être, elle a dit, je touche pas ce monsieur-là. Tu sais. Ouais, ça se peut. Fait que c'est un peu ça qu'elle s'est dit. Fait que là, si vous avez pas trop compris. Mais ben, c'est que là, on a même plus besoin de toucher. Là. C'est même plus des points de pression énergétique. Là. C'est whatever c'est... the fuck we want. Ben, c'est ça. Fait que c'est du lifting, même pas besoin de toucher. Hey, c'est... Il vaut 90$. Parfait. Fait que c'est ça. Fait que là, on va l'entendre en français là, pour les gens qui comprenaient pas l'anglais. C'était plus pour voir comme le ton. Là, on va plus l'avoir en français. Ouais, c'est le même Mario Bros du début qu'on a vu tantôt. Bonjour à tous, Laetitia Mourgom, coach émotionnelle et énergéticienne. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, j'avais deux envie red flags de partager de avec vous le processus énergétique de l'approche Access Consciousness, qui s'appelle le lifting facial énergétique et qui est aussi connu sous le nom de facelift. Alors, c'était important pour moi de vous parler de ce processus énergétique parce qu'il y a énormément d'a priori de par son intitulé. Donc, il faut savoir que c'est un processus multifonction que j'aime bien appeler aussi un petit peu le couteau suisse, puisqu'il va agir bien au-delà de son intitulé. Il y a personne qui nous a reparlé des entités. Effectivement, c'est un processus qui va travailler sur l'aspect physique et esthétique. Le fondateur croit aux entités. Il y a toutes sortes de croyances par rapport à ça. Son champ d'intervention est beaucoup plus large. Donc, déjà dans un premier temps, appliquer ce processus va permettre d'avoir un effet rajeunissant. Ça va permettre de travailler sur la régénération cellulaire, sur l'aspect de la peau, sur les ridules, etc., etc. Mais c'est un processus qui va travailler de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, il va avoir des effets sur tout le corps, même si on va travailler... même si les appositions de mains vont se faire sur le haut du corps, donc à partir du buste, et puis au fur et à mesure, on va remonter sur le visage et l'ensemble de la tête. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le lifting facial énergétique. Donc il est conseillé aussi avec cette méthode de recevoir au moins 20 séances pour avoir des effets durables sur le temps. 20 séances. Tabarnak! 80$. Les premières séances, des effets qui sont juste incroyables. Moi, je suis bluffée à chaque fois. Là, ça en fait 12 que tu fais, t'as pas d'effet. Non, non, peut-être dans 8 encore. C'est tes croyances limitantes. C'est cinglé. On va pouvoir voir. Tes croyances limitantes. Du visage. Décroche la réalité. Plus clair, les yeux pétillants. Ton portefeuille. D'un coup que ça t'a coûté ça, assez cher, c'est là t'en bats. Les premiers effets immédiats qu'on voit après une première séance. Elle dit que ta peau plus claire, tu vois les yeux plus lumineux après première séance. Intelligente, elle va aller travailler là où le corps a besoin de libérer et a besoin de recevoir cette énergie. Donc c'est un processus qui va activer une trentaine d'énergies très puissantes. Sachant que chez Access Consciousness, il existe une soixantaine de processus corporels, dont fait partie le lifting facial énergétique. Et dans ces 30 énergies, certaines de ces énergies sont des processus corporels à eux tout seuls. Donc, d'où la puissance de ce processus. Et voilà pourquoi on l'appelle aussi un petit peu le couteau suisse. Alors moi, j'ai pu constater dans ma pratique des effets très puissants au niveau du système hormonal. Ah. J'ai d'ailleurs un exemple là qui me vient en tête d'une personne à qui j'avais fait une séance. Alors, c'était lors d'un échange entre praticiennes. On était trois, donc on était en nombre impair. On était déjà toute la gang avantagée que ça marche. Donc, il y en a une qui s'est mise à la tête, l'autre au pied, puis au fur et à mesure, on est remonté sur le corps de la personne. Et le lendemain, elle nous contacte en nous disant « Vous savez pas quoi, les filles, il m'est arrivé un truc de dingue. Je suis diagnostiquée ménopausée depuis plus d'un an et je suis redevenue une jeune fille. J'ai revu mes règles. » Et quelques mois plus tard, trois personnes formatrices qui ont donné plein d'argent et qui ont avantage à ce que ça marche nous disent. Que c'est ça marche. Revenu, j'ai à nouveau mes règles. Voilà. C'est l'exemple de première main. Super fun non plus. T'as-tu un autre exemple qui implique moins de monde biaisé? Ça lui permettait de se reconnecter à sa féminité.
Donc pareil, ouais. J'ai eu plusieurs autres séances comme ça avec des personnes qui avaient des problèmes gynécologiques, hormonaux, etc., dont une personne, par exemple, qui est atteinte d'endométriose, qui a des règles très abondantes, très douloureuses. Et juste après une séance, eh bien, elle me rapportait aussi l'affaire hormonale, que ses règles étaient beaucoup plus, enfin, beaucoup moins abondantes, qu'elle ressentait beaucoup moins de douleur. Donc, bon, ben, ça, c'est déjà super. Voilà, donc en fonction des besoins de la personne, le processus énergétique lifting facial va venir travailler, faire remonter des énergies de limitation et rééquilibrer le corps en quelque sorte pour apporter un mieux-être chez la personne. Donc c'est un processus qui n'est pas réservé uniquement aux personnes qui ont envie de lifter leur visage, qui ont un certain âge et qui ont quelques rides. C'est vraiment pour tout le monde, même un adolescent qui a de l'acné par exemple, qui a des taches, des cicatrices, etc. Ça va être très utile pour lui puisque ça va agir sur la peau. Donc c'est très efficace aussi pour des personnes qui ont des vergetures, donc des cicatrices, qui ont de la cellulite. Des étiquettes de parking, de la vaisselle à faire, un poisson rouge à nourrir. Donc celui de travailler sur le haut du corps. On va tout nos doigts là-dedans. Chez Access, c'est de vraiment suivre l'énergie. Et si on sent que nos mains ont envie d'aller sur d'autres parties du corps, il faut que tu essayes 20 fois avant de te faire une idée. Donc il y a un processus, un protocole de départ. Mais bien évidemment, on peut se laisser, on est invité à se laisser guider par rapport aux besoins du corps. Alors, c'est un même si c'était moi qui étais payé à un moment donné, j'aimerais plus. Qu'on peut appliquer sur soi également. Donc, à tout moment de la journée, hein, quand on a un petit coup de fatigue, etc. Donc, il suffit de réactiver les énergies qu'on a déjà reçues dans notre corps. Donc, le corps, il se souvient. Hein, et juste en réactivant ces énergies, ça va se réactiver dans le corps et ça va avoir des effets. Donc par exemple, le matin, quand on est en train de se préparer, qu'on est en train de se mettre de la crème sur le visage, sur le corps, ou qu'on est en train de prendre sa douche, on peut justement réactiver ces énergies du lifting facial et ça va travailler sur notre corps. Voilà, donc ça c'est super. Hein. Pareil, si on a un peu de cellulite, quelques vergetures, etc., on peut se l'appliquer à soi-même. Tu te lèves, tu vas faire du sport, là. Voilà. Tu ne donnes pas 80 piastres. L'idéal, comme je vous disais, c'était qu'il était recommandé de faire 20 séances pour avoir des effets durables. Donc, le plus avantageux, c'est d'apprendre à faire ce processus soi-même et éventuellement de venir avec une personne qu'on connaît pour pouvoir s'échanger le processus le pratiquer à tout moment et à volonté. Voilà, sinon vous avez accès à une communauté de praticiens qui se sont formés et qui ne demandent que ça, d'échanger et de pouvoir recevoir et donner le processus. Et autre chose à savoir aussi, c'est que quand on pratique sur les autres, on va en recevoir également les bénéfices. Donc, ça c'est nouveau, ça là. D'apprendre à faire ce processus-là. Voilà. Fait que quand tu fais de la magie guérisseuse à tes amis, toi aussi t'es guéri. Je me ferai un plaisir de vous renseigner au mieux. À bientôt. C'est un bon cœur, ça. C'est un cœur de fun. Laetitia, ben oui, merci beaucoup pour ces informations. Être soi. Être dentaire. Être soi, dentaire. J'aime vraiment beaucoup. Écoute, on en apprend, là, Joe. On en apprend, là. Tu sais, je me suis là pour ça. Je t'achète plus. Ben, c'est ça. C'est vraiment. Je pense que je serais pas capable de trouver un soin dans la catégorie énergétique qui est aussi complexe. Tu sais, effectivement. Qui a autant de magie. Oui. Puis ils font les mêmes affaires que toutes les autres. Oui. Ils mettent leurs mains, ils sont pas obligés de toucher, puis je sais pas, ils pensent à des affaires. Encore un lifting facial. Ouais, là, c'est très court. Ça montre une démonstration d'une séance à quoi ça ressemble. Une technique non invasive pour ralentir le vieillissement. Travail des facteurs qui font vieillir. Ça, ben oui, ça guérit des traumas physiques. Ça travaille le stress. Ça permet de retrouver la joie.
de se faire gosser dans la face. Ben ouais, un corps en santé est un corps heureux. Ageless happy body, ouais. Wow. C'est très pratiqué à travers le monde. Hey, c'était puissant, mon gars. On les a vus. Les bars se sont fait titiller, mon chum. Patam, patam. Oh, oui, oui, oui. Fait que là, on va. On déboule tranquillement vers notre prochaine petite technique d'access bar. Mais juste avant, un court témoignage de. De qu'est-ce que ça peut donner à part de nous rajeunir. Une petite histoire d'avant et après les bars. J'ai une cliente qui est venue me voir avec un problème de travail, qui n'en pouvait plus de son travail. Il fallait que là, ça arrête. Les gens, elles n'en pouvaient plus. Il y avait une ambiance minable. Il fallait que, voilà, elle voulait quitter son travail et elle n'en pouvait plus. Et puis, on a fait la séance de bar. Et à la fin, elle s'est relevée de la table en me disant oh, « En fait, mon travail, ce n'est pas très important. Oh, ce n'est pas un gros problème au final. » Comme si elle ne se souvenait même plus qu'elle était venue parce qu'elle avait des tellement gros problèmes dans son travail qu'il fallait que ça change. Donc voilà, ça, pour moi, c'est typiquement l'effet des bars. Fait qu'elle a voulu quitter sa job. C'est l'effet des bars. Elle n'aimait pas sa job. Elle a payé 90$ pour une cossin. Puis après ça, ça lui a donné le courage pour crisser sa job-là. Fait que même là, elle n'a plus de revenus pour se payer d'autres séances bar. Peut-être qu'elle va devenir formatrice de bar. Ah, ben peut-être, hein, ben, ça serait quelque chose. T'as juste besoin de comme te brainwasher, abandonner ton âme. Je pense pas que ce monde-là sont méchants, mais c'était pas en crise. Ouais, puis je vais en parler plus lors de la deuxième partie, mais ça coûte cher. Il y en a des formations. Il y en a en tabarouette. Okay. Ça coûte très, très cher. Très, très, très cher. Ben oui, c'est pour ça que ça pogne. Il en rajoute tout le temps. Là. L'autre, elle l'a dit tantôt. À chaque trimestre, il y a comme un livre de règles updatées. C'est... Hey, c'est capotant, Nasty, ça. Non? Fait que c'est ça. Fait qu'il invente toujours des nouvelles affaires. Puis là, ce qu'on va voir, c'est un petit peu troublant, là, je vous le dis. Là, c'est quelque chose en même temps de... On tombe un peu plus dans quelque chose d'un petit peu plus, moi, qui me dérange. Là, c'est une technique qui s'appelle l'étreinte de l'abus. C'est un peu l'idée que les personnes qui sont abusées, c'est que quelque part, ils en tirent un bénéfice. Puis que... c'est un petit peu cette idée-là, fait qu'on peut se libérer des abus qu'on a vécu. Fait que c'est vraiment un peu weird. Puis quoi de mieux qu'un homme pour nous expliquer qu'est-ce que c'est l'étreinte de l'abus? Fait que je m'excuse à l'avance. Bonjour à tous. Je suis Philippe Beurdelet. Je suis psychologue, clinicien, psychothérapeute et facilitateur certifié Access Consciousness déjà depuis un certain nombre d'années. Je propose des classes un peu partout. C'est en beaucoup France, de mots impressionnants. Et j'ai formé plein de gens. Et aujourd'hui, je développe de nouveaux processus dont j'ai envie de vous parler. Un processus extraordinaire que j'ai appris dans ce début d'année avec la fille de Gary Douglas. Pour ceux qui connaissent Gary Douglas, qui est le créateur de la méthode Access Consciousness, c'est sa fille qui nous a transmis en début d'année un processus corporel extraordinaire qui s'appelle l'étreinte de l'abus. Alors, qu'est-ce que c'est que l'étreinte de l'abus? En réalité, on n'a pas conscience à quel point on a... C'est pas une secte, mais sa fille n'est pas de secte en crise. On pense que les abus, c'est simplement les abus physiques, d'avoir été battu, humilié, ou des choses comme ça. Mais c'est pas seulement ça. Les abus, ça peut être plein de choses. C'est moral, ça peut être financier, ça peut être... émotionnel. En réalité, à chaque fois qu'on donne son pouvoir à quelqu'un, on lui donne le pouvoir de nous abuser. On se laisse abuser. En France, souvent, ils utilisent les deux titres, psychologue et psychothérapeute, mais c'est comme un doublon. Parce que quand tu es psychologue, tu es supposé faire de la psychothérapie. Mais qu'on va accepter quand même parce qu'on veut être gentil ou on veut faire plaisir à l'autre. Eh bien, on va s'abuser nous-mêmes parce qu'on donne le pouvoir à l'autre. Et du coup, on va se réduire nous-mêmes et on va se retrouver dans des situations qui, au final, ne nous conviennent pas. Et donc, si vous commencez à regarder les choses comme ça, vous allez vous rendre compte que dans votre vie quotidienne, eh bien, peut-être vous vous laissez abuser de plein de façons. Pensez à ça.
Je suis sûr que vous allez voir plein de situations où vous n'osez pas dire non et vous êtes en train de donner votre pouvoir à quelque chose d'autre ou à quelqu'un d'autre que vous pensez plus fort que vous. Or, en réalité, rien ni personne n'est plus fort que vous. Vous n'êtes plus fort que nous. On est des êtres infinis. Rien ne peut être plus fort que nous, si ce n'est qu'on accepte de lui donner notre pouvoir. Donc, on a vécu plein d'abus comme ça depuis toujours, depuis notre enfance, depuis tout notre passé, etc. Ce processus, c'est vraiment un processus extraordinaire. Il vous faut écouter une trentaine de fois un DVD qui s'appelle Clearing the Issue of the Abuse. Il faut écouter le DVD 30 fois. Tous les abus. Ouais. C'est un CD avec des débrayages, pour ceux qui connaissent Access Consciousness. Vous devez l'écouter une trentaine de fois au minimum. Ça va commencer à déprogrammer tous ces abus que vous avez emmagasinés. Ben, je comprends, tu vas juste penser à ça. Vous allez sentir que vous êtes prêt à recevoir ce processus corporel qui s'appelle l'étreinte de la vie. Et ça, c'est un processus qui est juste extraordinaire. Parce que ça consiste à s'allonger en cuillère contre quelqu'un qui vous prend dans les bras. Et de rester allongé pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure. Et pendant ce temps-là, il va se passer rien, en tout cas de visible. Simplement, pouvoir vous abandonner en totale sécurité dans les bras de quelqu'un. Restaurer cette capacité de s'abandonner totalement. Quelque chose qu'on ne fait pas très bien, parce qu'on a appris que la vie c'est dur, il faut se protéger de ci, de ça. Qu'est-ce que c'est le prochain truc qui va m'arriver dans la figure. Donc on a construit une espèce de carapace comme ça. Et donc ce processus de l'étreinte, il va permettre de relâcher cette mémoire des abus. C'est pas une bonne idée de se montrer dans les vulnérable cellules de votre corps avec n'importe qui quand on a vécu des abus. En sécurité dans c'est le monde. La paix des affaires. On a un petit bébé qui pleure. Ben, avec un étranger. Vraiment, elle le porte. Pour, Donc c'est peut-être ça l'expérience, vous voyez, pouvoir être retrouver cet état d'être comme un petit bébé qui peut s'abandonner en confiance totale. En sachant qu'il n'y a rien qui peut lui arriver. Comme un petit bébé. Il est totalement protégé. Et si vous commencez à avoir cette vision totalement protégé par moi, j'appelle quoi, ça, on a toujours ce petit noyau parano. Que, pourquoi qu'est-ce on qui sait va m'arriver, que, parce que la personne est accessible. Quelle est la prochaine tuile que je vais recevoir. Oui, il y a un bébé. Et en fait, s'il n'y avait rien de mal, si on pouvait tout accueillir de la vie sans aucun point de vue, on que c'est bien, que c'est mal, que c'est bon, que c'est mauvais. Juste pouvoir tout recevoir et dire « waouh ». Ok, tout. J'accueille, j'accepte, tout. Sans aucune barrière, sans résister à rien, juste en étant ben, dans sa vulnérabilité. Qu'est-ce que ça pourrait ouvrir que de vous sentir en sécurité totale, de savoir que l'univers, j'aime bien dire ça, quand l'univers j'ai vu ça, il conspire les deux jambes toujours, en toujours. Il ne conspire jamais contre l'univers conspire l'univers pour conspire nous. Pour nous. Ben, ça, tu peux voir le verre à moitié même plein. Même parfois, choses qu'on a cru être le plus difficile. Mais de nier c'est toujours des pour nous amener des quelque affaires, part. Voyons, endroit, il y a plein d'affaires qui ont... mieux, toujours plus loin. On est comme une chenille dans son cocon et l'univers, il va nous faire sortir de notre cocon. Donc, si vous voulez expérimenter ce processus de l'étreinte de la vue, je serais vraiment ravi de vous accueillir pour ce processus que j'aime beaucoup donner, qui est vraiment un cadeau l'étreinte de la inestimable. Et ça, et donc il faut que vous puissiez écouter 30 fois ce CD de déblayage auparavant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me joindre, vous savez comment, par mail. Vous avez mon adresse, mon site internet, en tout cas, vous aurez toutes les informations. Et je me réjouis de vous rencontrer en live pour vous faire découvrir ce super processus. À bientôt, plaisir ce de vous croiser. Ce super processus, hey dude! Ah, il est dérapé, tu es en train de créer un contexte parfait pour réveiller des traumas, me semble. C'est... Ben, en fait, là, moi, c'est ça, c'est que c'est très dangereux parce que là, il dit que les abus, ça peut être n'importe quoi, mais ça va inclure des abus. Puis d'aller voir quelqu'un, tu sais, ce qui, moi, qui m'a beaucoup dérangé. They're eating the cats. Ouais, c'est ça, ça m'a beaucoup dérangé, ça. Mais aussi, ce qui m'a dérangé, c'est le fait qu'il est psychologue et psychothérapeute. Ouais. En fait, c'est un peu la même chose, là. C'est quand t'es psychologue, t'es psychothérapeute, là. Mais c'est comme, je me demande, y a-tu déjà, qu'est-ce qu'ils font lors des psychologues en France là, là-dessus? Parce que moi, au Québec, quelqu'un qui s'afficherait comme ça, je pense qu'on ferait une enquête sur lui. Je pense pas qu'on peut,
pratiquer des choses comme ça puis utiliser le titre de psychologue parce que ça peut porter ombrage au titre de psychologue. Ben ça, oui, ça me questionnait ça qu'un psychologue utilisait quelque chose de même. Tu disais que le gars, il a étudié en psychologie là, puis on va se faire des câlins access bars saucés pour réveiller des traumas comme si on était des petits bébés genre. Mais oui, il faut revenir comme des petits bébés puis il faut l'écouter au moins 30 fois puis là le pouf, 30 pouf, fois c'est solide. Puis là pouf là ça va ça va nous replonger dans le trauma. Fait que ça devrait sonner des cloches, hein? Tout ce qui est un petit peu plus secteur, développement personnel, qui nous invite à revisiter nos traumas de manière non sécuritaire, avec des trucs bizarres, c'est très dangereux. Puis souvent, ils utilisent ça, ils font exprès pour nous faire revisiter, en fait, des moments extrêmes de souffrance. On voit beaucoup ça dans le développement personnel. Puis après, il nous offre la solution, c'est-à-dire quelque chose pour nous nous guérir, offre d'autres soins. Ben fait que ça, là, il y en a qui nous disent, ça ressemble à une secte. En tout cas, ça a des tendances sectaires, puis j'en parlerai plus dans deux semaines, là, mais tu sens que c'est proche d'un MLM parce qu'ils vendent plein de formations qui valent vraiment cher. Il y a des gens qui les suivent, puis s'ils suivent ces formations-là vraiment chères, qu'après, ils font de l'argent, eux aussi, avec ça. Ben oui. Ils ont parlé de scientologie au début, puis ça ressemble à ça pas mal. Pis ça ressemble à un MLM dans le sens que le produit a pas de sens. T'sais, c'est quelque chose qui est vide, donc ça peut me faire penser à un MLM. En tout cas, je peux me tromper, là, mais il y a des éléments d'MLM dans ce qu'ils font. Il y a des éléments qui font penser proche d'une secte. Toute personne victime d'abus ou de trauma, allez pas dans des affaires comme ça. Ça peut être vraiment très dangereux. Ouais. Fait que là, on a deux autres femmes. C'est un peu comme les rebirths aussi, qu'il y a eu une période où ça a été bien vu, mais c'était du monde qui décompensait complètement là-dedans. Il y a eu des histoires d'horreur, puis que les gens, ils ont régressé complètement. Il faut que lorsqu'on explore en profondeur des traumas, il faut le faire avec un spécialiste, pas de n'importe quelle façon. Fait que là, on en a deux autres, des femmes, qui vont nous parler un peu encore de l'étreinte de l'abus, là. On va comme creuser un petit peu plus ça. Bonsoir. Je m'appelle Céline Musa et je voulais juste vous parler du processus de l'étreinte de l'abus, d'Access Consciousness. Ouais. C'est un des processus qui me plaît le plus dans la palette d'outils d'Access. Avec les barres. Les outils d'Access Bar. Il me plaît parce qu'il va en profondeur. Il me plaît parce que moi-même, ayant expérimenté différentes formes d'abus dans ma vie, j'avais observé des répétitions, des schémas que je répétais encore et encore, et dans lesquels je n'arrivais pas à m'en sortir du tout. Gary Douglas a fait une classe de l'abus qui s'est transformée en audio de 2h20, qu'il propose d'écouter 30 fois. Avant de suivre le processus un corporel, audio de 2h20 qu'il faut écouter 30 fois. Donc j'ai fait ce processus l'année dernière. 60 heures. Je ne l'ai pas retrouvé. J'aimerais ça le retrouver l'audio. Peu importe si que ce soit en anglais qu'on ne comprenne pas. 66 heures et point 6 en fait. C'est indescriptible. Ouais. Un truc à vivre si on a envie de se débarrasser de toutes les formes d'abus. Moi personnellement, j'étais super motivée pour ça. Ah ben oui, c'est sûr. Hein. Je me suis dit, bon, alors soit je vis toutes ces formes d'abus et puis je me tire une balle et je me dis ok, c'est fini, oh, c'est terrible tout ce que j'ai vécu, le viol, l'inceste, et tout. Soit je me dis waouh, génial, super expérience, et comment je me débarrasse de ça? Et ben voilà, c'est un peu triste. J'essaye ce truc là. Bravo. Comment ça peut être mieux que ça encore? Donc je l'ai fait une fois, deux fois. Je me suis dit ok, je suis devenue praticienne de l'abus moi-même en me disant oui, quand même, il faut quand même accompagner un peu ça. Et puis, purée, mince, il n'y a pas beaucoup de processus aujourd'hui qui permettent d'alléger des trucs pareils, quoi. Des trucs qu'on croit être solides. Tout le monde trouve sa réponse à quelque part. Donc, on ne peut pas s'en sortir, etc. Il y aurait fait du karaté, peut-être. Donc, l'idée, elle est là. Il y a des possibilités, il y a des outils. Et celui-là, pour moi, à mes yeux, c'est mon point de vue intéressant. Il est méga puissant sur tous les plans. La seule condition avant de recevoir les trains de l'abus, c'est d'écouter 30 fois l'audio. Un audio de 2h26. De déblayer tout ce qui peut remonter avec ça. Donc voilà, ça c'était juste un petit aperçu. Puis après, il y a plein d'autres vidéos sur YouTube qui expliquent exactement comment ça se passe. Pas je voulais faire un truc assez court pour parler des trains de l'abus. Ouais, je fais un peu ça moi aussi bien. Ouais. Pour toute autre information, et ben... à bientôt.
Et donc, elle, j'avais même hésité un peu à la mettre parce que je trouvais ça plate. Elle est vraiment plus une victime là-dedans. Ben oui, ben là, oui, c'est une madame qui a vécu plein de choses. On espère le mieux pour elle, mais elle est tombée un peu dans le rabbit hole. Le problème, c'est le gouvernement. Non, dans ce cas-là, je pense que c'est plus les access bars que le gouvernement. Mais ouais, c'est ça. C'est que elle a vraiment comme trouvé quelque chose qui semble l'aider, mais... C'est, en tout cas, c'est comme assez spécial. Je vais essayer de le retrouver. Je vais essayer de trouver ce fameux audio de 2h20. Je suis qui traîne quelque part. Là. Je ferai écouter un petit extrait. Là. Je serais comme assez curieux de savoir ce qu'il écoute. J'avoue que j'ai aucune espèce d'idée, mais c'est ouf. Ouais, c'est peut-être vrai. Plein de formules magiques pendant 2h20. Hein? Je sais pas. Fait que, dernière, sur le sujet encore un peu sensible de l'étreinte de l'abus, j'en ai gardé une autre qui parle de la différence entre sensualité et sexualité. C'est un peu dans le... C'est encore un peu weird. Fait que Il parle de vraiment tous les domaines. Là. Ils ont des réponses à tout. Ouais, sur l'argent, par exemple, dans deux semaines, on va faire une séance de déblayage sur l'argent. OK. Fait que, ouais. Ça va peut-être vous aider, vous aussi. Alors, quelle différence est-ce que tu fais entre la sexualness et la sexualité? Est-ce que déjà tu connais, tu as déjà entendu parler de la sexualness, ou est-ce que c'est vraiment un concept un petit peu vague qui reste un petit peu à explorer pour toi? Alors, on en entend souvent parler au sein d'Access Consciousness. Oui, Pantagruel, je suis d'accord, c'est très intéressant. C'est véritablement l'énergie de guérison. Ben, ça fait plaisir, je l'avais promis depuis longtemps. L'énergie générative, l'énergie créatrice qui va venir alimenter ton corps, qui va venir faire pétiller toutes tes cellules. Et c'est une énergie que tu peux obtenir seule, à la grande différence de la sexualité qui, en général, se pratique plutôt à deux, voire qu'on peut aussi pratiquer seul. Alors, la sexualité, à l'inverse, ça va davantage reposer sur tous les jugements que tu as, les jugements de comment être parfaite ou parfait au lit, ça va être aussi des jugements par rapport à ton corps, par rapport à quoi il doit ressembler, en avoir un petit peu plus, avoir moins de forme ici ou là. Voilà, ça va véritablement être par rapport au jugement. Et aussi par rapport à la performance, voire à la compétition, qui sont aussi des formes de jugement. Donc on le voit, la sexualness, c'est une énergie générative qui va être transformatrice, qui va être nourrissante pour ton corps, pour ton être. Ça va être aussi une énergie très très bienveillante et guérissante. Alors que à l'inverse, la sexualité, ça va être quelque chose qui va être basé sur les jugements que tu as par rapport à toi, par rapport à ton apparence physique, par rapport à ton corps et par rapport au fait de réussir, par rapport au fait d'être dans la compétition et aussi par rapport souvent aux attentes qu'on a de l'autre. En termes de apporte-moi ci, voilà, apporte-moi du plaisir. Ça va être vraiment quelque chose qui est de l'ordre du besoin et du jugement. Et très très vite, on peut aller dans l'insatisfaction avec la sexualité. Alors que la sexualness, c'est une énergie qu'on peut apprendre à développer seule, à s'entourer, et on va trouver la sexualness aussi bien dans la nature, dans la forêt. On peut la trouver aussi, c'est une énergie qui est disponible auprès des animaux. Et ça, c'est tout dans le même folder que le toaster de le vieillissement. Créatif, puis elle a dit, même auprès des animaux. Et qui est nourrissant et bienveillant et doux pour ton corps. C'est vraiment une énergie, la sexualness, de laisser être, de laisser entrer et laisser sortir toutes les énergies à l'intérieur de ton corps, à l'intérieur de ton être, et de recevoir ce qui est bon pour toi et de les laisser pénétrer et faire pétiller tout ton corps. Voilà. Si vous souhaitez en savoir plus sur la différence entre sexualness, sexualité, je vous invite à participer à l'une de mes classes fondation que j'organise régulièrement dans toute la France et dans l'espace francophone, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Et je vous retrouve à très très bientôt. Oui, effectivement, Vévé, elle a vraiment dit qu'on peut trouver la sexualness avec les animaux. Fait que je pense qu'on veut peut-être pas le savoir, c'est quoi. C'est spécial, hein?
Fait que aïe, man, à toutes les fois qu'il rajoute des informations, je suis plus perdu. Mais c'est pour ça qu'il va avoir une deuxième semaine parce que hey, ça leur a tissé large. They're eating the cats. Effectivement. Non, ça, je pense qu'ils font pas ça, les praticiens d'accès. Bon. Mais avec les chats. C'est l'access consciousness qui est comme la grande patente, puis oui. Là-dedans, il y a les bords. Qu'on a vu. C'est ça, je comprends. Okay. Puis là, il y a toutes sortes de patentes, de pensées, puis de formations. Puis je vais essayer de faire une nomenclature de toutes les formations que j'ai réussi à trouver. Ils ont un site web, c'est très, très long. Je prépare d'autres choses pour la deuxième partie. Puis ce qui est assez impressionnant, c'est, là, j'adore ça, c'est que c'est gros. Ça n'a rien à voir avec le Reiki. Vraiment rien à voir parce que dans le sens qu'ils ont tu plus veux dire de... qu'il y a pas mal plus d'argent qui se brasse par ouais. Ça. Le Reiki, ça a l'air très, très comme... D'après moi, il n'y a pas tant de cash qui roule là-dedans. Mais il y a plus de 100 000 praticiens. Ils ont des formations à des prix qui ne se peuvent pas, des milliers de dollars. Ils traduisent leurs vidéos dans plein de langues. L'espagnol, portugais, mandarin... Fait qu'ils sont rendus puis vraiment c'est, big, je m'excuse, là. Mais c'est de la marde, là. Ils traduisent ça dans la marde en plein de langues. De la méga pseudo-science de charlatan, là. Peut-être les personnes, les praticiens, ils croient, mais... Je pense que la plupart, ils croient, mais... C'est basé dans fuck-all, puis c'est des promesses de pas rapport, là. L'affaire des hormones tantôt, là, on était moins... Il y a plein d'exemples. D'ailleurs, une fois, on était moins, puis ma collègue, puis une autre collègue. Tu sais, pourquoi tu prends pas un autre exemple? C'est tellement niaiseux. Mais oui, c'est sûr, ça marche pour eux, pour elles. Ils c'est croient, ça, c'est, ils sinon... Croient. Aïe, aïe, man! Là, des fois, il y a des coïncidences. Alors, comment ça va, c'est règles? Excuse-moi. Fait que là, on a, je dirais... on s'approche de la fin. Il y a encore quelques clips, mais on a un autre clip de quelqu'un d'autre qui a testé encore une fois les bars. Un autre exemple. Salut Yannick. Bonjour Chloé. Alors tu es facilitatrice en méthode Access Bar. Mm-hmm. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je donne les formations pour obtenir l'outil, pour avoir l'outil d'Access Bar, tout d'accord. Simplement. Et donc pour pouvoir être praticienne Access Bar ensuite. D'accord. Voilà. Donc, concrètement là, qu'est-ce que tu vas me faire en fait? Je vais appuyer légèrement sur 32 points sur ta tête mm-hmm. et qui permettent de libérer quantité phénoménale de croyances, de limites, d'expériences négatives passées et d'émotions solidifiées. Tout ça. Voilà. Tout ça va te permettre à toi d'avoir un accès plus facile au choix dans ta vie. D'accord. Et rien qu'en touchant la tête, donc. Rien qu'en touchant la tête, okay. Simplement. Bon, ben voilà. On y va. On se met où? Ici, c'est par là? On se met là. Allez. Voilà. C'est très, très populaire en France en passant. Au Québec, moins. C'est la marre. Voilà. Là, je vais simplement préparer. Non, vas-y, vas-y. Simplement préparer ton corps hein, à recevoir l'énergie. C'est pas encore les barres en elles-mêmes. C'est pas les barres, c'est autre chose. Mais on sait pas c'est quoi qu'elle fait. Elle y touche quand même, mais c'est pas les barres. Puis c'était pareil à une position de Reiki de la semaine passée aussi. Ah, il a peut-être fait un avec Reiki. Les mains dans les yeux, puis peut-être. Ça c'est Reiki tout de court. Oui, mais ça, c'est du Reiki, par exemple. C'est pas des bases. Mais elle est peut-être en train de tripoter en arrière des oreilles, là, whatever. Ah non, c'est... Ouais. Ça y ressemble beaucoup, hein, cette asymétrie. La méthode Access Bar, c'est une technique crânienne qui te permet de lâcher prise. En fait, on va détruire les fichiers... dans lesquels tu as des croyances, tu as des limites, tu as des émotions solidifiées. On détruit les fichiers. Et tu as des expériences négatives passées. Elles sont là, elles sont dans tes mémoires. Okay? Donc le fait de travailler ces barres, ça va détruire tous on ces fichiers. On travaille ces barres. Pour déterminer ces 32 points, c'est Gary Douglas qui a créé cette méthode il y a pas loin de 30 ans maintenant. Et en fait, il l'a reçu par channeling. C'est le monsieur Soussé. Il est canal, il est médium en quelque sorte, et il l'a reçu par channeling. Les autres, c'est un médium, tu sais, il l'a eu par channeling. Tu sais. Alors, c'est pas de l'acupuncture, c'est pas de l'acupression, c'est simplement poser les doigts légèrement, et c'est ça qui crée le circuit en fait. Si la personne arrive et qu'elle a certains mal-être, qu'elle est énervée, qu'elle est en colère ou qu'elle est triste, ou que ça peut, en une séance, ça peut vraiment la débloquer
Et déjà, elle sent une légèreté, elle se sent revivre, elle se sent reboostée. Et il peut aussi y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que la personne, elle vient, elle n'a aucune attente, elle n'a pas de changement particulier à demander. Dans ces cas-là, elle peut me dire « Ouais, mais ton truc, ça ne m'a rien fait. » Donc, ces cas-là, c'est OK. C'est OK. Voilà. Parce que access, c'est access consciousness bar. Ça veut dire accéder à la conscience avec les barres. Et la conscience, c'est être libre. C'est créer sa vie avec des choix et avec des obligations. Juste c'est la conscience, choix. C'est quand même pas mal compliqué à définir. Choix, après ça, là, on a des barres aussi. Waouh! C'est waouh! C'est tout. C'est waouh! C'est un peu déstabilisant. Mais ça va, j'étais bien à l'aise, j'ai l'impression. Mais il n'y a personne qui aime pas ça, se faire jouer dans la tête et relaxer dans une pièce ou être en sécurité à l'extérieur de chez soi. En fait, c'est pas mon énergie, hein, c'est pas une énergie. C'est relax, tu payes pour ça en plus, c'est pas le choix. Oui, voilà. Et toi, tu sens des choses? Je ne suis pas Madame Irma. Peut-être un jour, ça m'arrive, des fois. Mais c'est surtout le ressenti énergétique qu'on a, oui. Après, avec la pratique, on l'a tous, hein. Tous, c'est en nous. Ainsi s'achève cette comme séance découverte aussi, pour moi tous. Qui a duré 30 minutes. Mais donc il faut compter 3000 francs pour une séance découverte avec Yannick, mais en général les séances sont 1h30. Et là c'est 8000 francs la séance, donc ça se passe ici c'est chez Yannick ou bien ça peut être à votre domicile, donc ça s'adresse à tous ceux qui veulent du changement, tous ceux qui sont curieux, qui veulent expérimenter cette méthode de lâcher prise. Et puis vous pouvez retrouver bien sûr toutes les infos sur la page de Yannick. Taltoul. Mais là, c'est récent aussi, fait que c'est peut-être des francs suisses, puis que ça vaut autre chose. Oui, mais d'abord, c'est autour de 100 piastres à peu près. C'est pas mal ce prix-là à travers le monde. Fait que, encore une fois, c'était une autre démonstration. Puis, mais il n'y a personne qui dit... La journaliste, tout le monde... Oui, c'est supposé être une forme de journaliste. On sait pas trop. C'est fuck that, man. C'est juste la beurasse, là. J'ai beaucoup aimé ça, puis c'est les assurances qui payent, là, je sais pas. C'est ça qui peut être pratique, là. Fait que il y a quelqu'un qui a dit dans le chat on pourrait partir les bars Reiki, là. Écoute... On verrait que pas la différence. fait que là, maintenant, on s'en va tranquillement vers la fin, vers les dernières pépites. Les bars, c'est comme les time zones, oui. Ah oui, comme les time zones, c'est une bonne idée. Fait que les dernières pépites, je pense que ça, on va continuer à découvrir qu'est-ce que ça fait d'extraordinaire, les accès. C'est lorsque je me suis mis à parler avec les gens qui m'entourent, qui m'ont vu très, très souvent en migraine, ou est-ce que j'étais obligée de canceller des activités, ou est-ce que, bon, c'est là que j'ai réalisé que, waouh, non seulement ça m'a amélioré au niveau de mon anxiété, à être plus calme, mais aussi au niveau migraine, c'est là que j'ai vu la magie que ça a créé. La magie des bars. Parce que, les avec la phrase, les choses le comme ça de qui étaient dû à cet état constant régulier de migraine, mais ça a disparu. Fait que, tu sais, on a l'air à dire, oh, les bars, c'est bien, mais là, pourquoi? C'est quand on réalise que là, ça a changé la vie, c'est là qu'on dit, oh là, il y a tout un effet derrière ça. Puis là, ça, c'est comme un truc là, qu'ils prennent. C'est qu'eux ne pourraient pas dire que ça enlève les migraines parce qu'ils pourraient avoir rapidement des problèmes avec l'ordre des médecins, le collège des médecins. Mais que du monde font juste ce témoignage-là, ils peuvent dire, ben non, mais moi, je crois pas ça. C'est la personne qui croit ça. En avant, avant j'en avais, là, j'en ai plus. Fait que ça veut pas dire c'est ça quand non plus. Quand j'ai lu ça, les deux jambes m'ont tombé à terre. Ouais, c'est ça. Fait que c'est comme... ça pourrait réduire de... Ça pourrait faire de quoi pour les migraines, on sait pas trop pourquoi. Puis là, tranquillement, les deux derniers que je vais montrer, le premier, c'est une courte annonce. Vous allez voir, c'est très, très moderne. La courte annonce, elle annonce de quoi que je vais creuser plus dans deux semaines. Là, je commence à mettre les deux dernières pépites, là. C'est comme donner un aperçu de ce que je vais parler dans deux semaines. Et le premier, c'est les access bars et la santé mentale. Ah, oui. Découvrez comment les access bars peuvent soulager le stress et l'anxiété, favorisant le bien-être mental et la paix intérieure. Ouais. Profitez des avantages et reprenez le contrôle sur le stress avec les access bars. Découvrez comment les access bars peuvent vous aider à réduire le stress et l'anxiété. Apprenez-en davantage sur cette puissante technique thérapeutique et ses bienfaits pour votre bien-être mental. Profitez des avantages des access bars pour trouver un équilibre intérieur et une tranquillité d'esprit. Bonjour tout le monde. Ah, OK, là tu peux peser sur pause.
Puis là, tu pourras cacher l'enfant. Ouais, OK. Tu pourras mettre par-dessus quelque chose. Là, moi, j'ai pas été capable de le faire. Tu pourras le faire. Fait que là, c'était comme un petit aperçu de ce qu'on va creuser plus dans deux semaines, c'est-à-dire que c'est utilisé pour toutes sortes de problèmes de santé mentale. Puis ça, là, c'est vraiment malaisant, mais je veux en parler dans deux semaines parce que il va y avoir des gens dépressifs puis tout ça qui vont essayer ça puis qui vont dire ben ils sont plus dépressifs. Puis là, on tombe dans quelque chose que là, ça devrait sonner des cloches encore plus. C'est-à-dire que ces personnes-là, ouvertement, ils prétendent que ça l'aide au niveau de la santé mentale des personnes, que ça peut soigner des problématiques de santé mentale. Fait que là, on tombe dans une chose que même le Reiki, on voyait qu'il voulait pas trop aller là. Ouais. Il y a des prétentions qui peuvent vraiment être plus dangereuses. Et là, l'autre chose que je vous montre, c'est que on va découvrir dans deux semaines que les access bars permettent même de communiquer avec les chevaux. Mais ben là, on va aller dans un sujet sensible. Puis là, on cachera l'enfant. C'est qu'on fait des soins d'access bar sur les enfants qui nous racontent qu'est-ce que ça leur a fait. Bonjour tout le monde. Fait qu'on cache l'enfant. Comme c'est la fin de l'année et que c'est le temps pour avoir de la gratitude pour tout ce qu'on a fait dans cette année 2019, on avait envie de faire une vidéo depuis longtemps en fait avec Noah, mon fils. Pour parler de quelque chose qu'il a fait dans son école, dont je suis très très fière. Est-ce que tu veux nous dire qu'est-ce que c'est ? Oui, j'ai fait un exposé sur les barres. J'ai parlé mais les deux premières barres. Et je leur ai fait un exemple pour qu'ils comprennent mieux. Et pourquoi est-ce que tu as voulu faire ça ? Pour que les gens connaissent un peu mieux les barres. En fait, tu te rappelles ? En fait, il y avait un petit garçon qui t'avait frappé à la cantine. Et puis, toi, tu avais reçu une grosse séance de barres après. Et puis, dans les jours qui ont suivi, tu m'avais dit, ben, tu vois, je vais faire des barres. Maman, je vais aller expliquer aux enfants à l'école qu'est-ce que c'est les barres. Et je vais leur expliquer qu'ils pourraient recevoir les barres pour qu'il n'y ait plus d'enfants qui aient envie de frapper les autres. Pour qu'il n'y ait plus la colère, pour que, en tout cas, les enfants sachent que avec les barres, on peut éliminer la colère, la tristesse, tout ça. Ouais. Ça te fait quoi toi quand tu, ça te fait quoi toi quand, que je te fais les barres? Mon Dieu, je suis en colère. Je reviens à mon état normal. Quand je suis triste, ça fait pareil. Et quand j'ai peur, ça fait pareil. Ouais, génial. Tu te rappelles quand on avait fait les barres après Laser West, où il y avait eu des clowns, où tu avais eu super peur. Oui. T'étais rentrée. Et puis après, on a fait une séance de barres. Et puis, pouf, c'était oublié. On n'en a plus jamais parlé. Tu te rappelles? Oui. Ouais. Donc, séance voilà, de on voulait faire une petite vidéo. Fait que là, la maman, c'est la solution à tous les problèmes que son enfant... C'est des barres. De miraculeux. Viens, on va faire c'est des génial barres. D'avoir peur, de plus avoir. Enfin, ça pas d'avoir peur, mais de plus viens, avoir peur des en quelques minutes, de plus être en colère, de plus être triste, tout ça. Ok. Surtout pendant cette période de Noël où des fois c'est un peu chargé, hein, un peu plus pas dur. Des barres. Ok. Et voilà, donc une petite vidéo pendant les vacances de Noël pour vous partager tout ça. Merci beaucoup, on vous embrasse fort. On souhaite des joyeuses fêtes de Noël à tout le monde. Oui. Joyeuses fêtes de Noël. Hey, sacrément dude, OK, hein? Ouais, ouais. On va aller là aussi, comme là, il est victime d'intimidation, puis il est malheureux, il est triste, fait que là, avec des barres. On décide de faire un expo, il reçoit des soins barres, puis après, oh, c'est extraordinaire, il en parle dans un exposé oral à l'école. À l'école, ça, il va se faire moins boulier après, c'est sûr. Ah ben, c'est sûr, puis pourquoi j'avais montré cette vidéo-là, autant qu'on va en parler, de l'utilisation des enfants et des adolescents aussi, ils font beaucoup la promotion de faire ces soins-là auprès des enfants, puis c'est vraiment bon. Également, ils essayent d'aller dans les écoles aussi. C'est-à-dire, ils essayent, on le voit dans un pays, entre autres, ils essayent vraiment d'offrir des soins gratuits d'access bar dans certaines écoles à travers mais le monde. C'est 100% sauce, man! Ouais, fait qu'ils essayent de recruter dans les écoles. C'est littéralement ça, là. Fait ouais. Tu sais, quand je vous dis, là je vais vous donner le goût une des espèce goûts, de scientologie, mais pastel violette de l'espace. Genre, non, ça vient de l'espace, la scientologie. Hey, c'est capoté, man. Mm. OK. Puis le gars, c'est...
Hey, puis les deux estis de lutins qui gèrent ça. Aïe, aïe, aïe. Merci beaucoup, Jonathan. C'est vraiment plaisant. Un Christ de beau dossier. Je suis vraiment content que tu viennes nous présenter des affaires. Oui, puis ça m'a fait plaisir. Puis c'était vraiment comme... Tu comprends pourquoi il y a une deuxième partie? Parce que on peut pas, après cette partie-là, d'avoir fait le tour. Là. Il y a plein d'outils. Si tu dis, il y en a d'autres, il y en aura une troisième partie s'il faut. Là, c'est comme s'il faut. Je me dis, s'il faut, ils vont en avoir une troisième. Je pense que ça va s'arrêter à deux, là, mais il y a tellement de stuff que, honnêtement, on sait jamais. On va peut-être en faire une troisième. Effectivement. Parce que maintenant, je vais aller creuser ce sujet-là en profondeur. Puis on va reparler aussi des fondateurs dans deux semaines. On va recruter d'autres affaires weird, là. Ils sont weird, là. La mascotte, Dan Here, ainsi que Gary Douglas, là. Puis Gary Douglas, c'est un drôle de bonhomme. Fait que il y a comme toutes sortes. Il y a eu des dossiers de fonds que vous pouvez trouver quand vous faites des recherches. Oh oui, ça donne le goût de fouiller. Puis honnêtement, il y a d'autres pépites puis d'autres choses très troublantes que je vais vous dire dans deux semaines. Donc, content que tu as apprécié puis que les personnes ont apprécié. Puis vous comprenez un peu plus pourquoi ça a pris du temps avant que je le fasse, parce que je le savais quand je le ferais que comment je vais ramasser ça. Ouais, je comprends. Comment, tu sais, ça se ramasse pas finalement. Tu sais, ça se vit. Ça, oui. Ça se vit, puis on continue à comme pas trop savoir c'est quoi, à part qu'il y a des points dans la tête puis qu'il y a beaucoup de magie. Là, hey, c'est le toaster sacré. Hey, le fameux toaster. Calice. Ben, merci beaucoup, Jonathan. Il nous reste du Mercronspi. Nous autres, je vous laisse avec une autre petite toune, encore une fois. Je vais quitter aussi en même temps. T'as rempli ta mission. Merci tout le monde. Puis bonne poursuite. You bet. À bientôt. Bye.